Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream dans lequel on va discuter de la partie 3 d'Obi-Wan Kenobi. Et je suis en compagnie ce soir de Barek, de Johan de la chaîne YJKen, de Il était une fois une partie. Petite subtilité dans le changement de pseudo chez l'ami Il était une fois une étoile. Et enfin, Korsoff, avec qui du coup on va discuter de tout ça. Alors. Et je tiens aussi évidemment, à dire, à étendre le bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. J'espère que vous allez bien. Donc, on va discuter donc de cette partie 3 d'Obi-Wan Kenobi. Comme d'habitude, va y avoir le petit diapo concocté par Barek, des petites références. Alors ça sera vers la fin, par contre, mais on va discuter un petit peu dans la... Non, peut-être pas dans 3 heures quand même, parce que celui-là, est-ce qu'il y a tant de matière que ça dans l'épisode? Non. Ah, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Bah, après, il y a du débat peut-être sur certains trucs, mais après, en termes de contenu, bon. En termes de sel, je suis là. Alors bon, eh bien, on échangera. Je suis énormément de références après. Il y aura des avis contrastés, donc. Oui, je pense. Alors, ça alimentera le débat. C'est ça. Du coup, ouais. On va commencer rapidement sur l'avis un petit peu global de l'épisode. Qu'est-ce que... Attends, on avait fait dans quel sens la dernière fois? Je crois que c'était... Du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ouais, j'avais commencé, je crois, ou un truc comme ça. Non, c'est Korsoff qui avait commencé. Ah ouais. Ah bah, Korsoff, alors. Puis après, c'était Barek. C'est ça. Bah allez, on revient dans l'autre dans le sens original. faisons comme ça. Faisons comme ça. D'accord, faisons comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé? Alors moi, d'ailleurs, vous ne savez pas mon avis, mais il sortira demain. Mais bon, j'en parlerai évidemment pendant le stream aussi. Mystère et boule de Oui, de toute façon, on va discuter, donc on va bien s'en rendre compte. C'est ça. Moi, je m'en fous. Please God save the Grand Inquisitor, j'avoue. Ah, mais il est où, là, le... Putain, j'ai hâte qu'il revienne. C'est, hein. C'est comme moi, dans The Clone Wars. Where is the Grand Inquisitor? I was hoping for the Grand Inquisitor. Why are you here? Why are you here? I was hoping for the Grand Inquisitor. Why are you here? Alors, Korsoff, avis global. Il arrive quelque chose à Sam Witwer, on sait comment le remplacer. Voilà. Bon. Alors oui, mon avis, vous l'avez certainement vu sur différentes discussions, sur Discord, mais à mon avis, par rapport à une potentielle confrontation physique entre Vador et Kenobi, j'étais quand même extrêmement salé à ce sujet, j'étais vraiment opposé, pour moi, il n'y avait pas de discussion possible, ça ne devait pas avoir lieu, j'étais vraiment borné sur ce point de vue-là. À cause de l'épisode 4, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais... C'est arrivé dans cet épisode. Bon, la crainte s'est avérée vraie, mais pour le Et coup... Vous avez bien dit, ouais, non, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Mais... Oui... On n'a pas vu toute la série, Johan. Je l'ai pas si mal pris que ça. Genre, vraiment, j'ai changé un peu d'avis, j'ai l'impression. Enfin, j'ai passé un excellent moment, moi, personnellement. Même si j'étais très tendu à ce sujet. Finalement, ce que j'ai vu dans l'épisode m'a... globalement plus, genre vraiment, donc j'ai eu des frissons à plusieurs moments, visuellement ça m'a beaucoup plu, donc ouais. Non, là, visuellement franchement... ça t'a plu? Ouais, c'est le genre de Star Wars que j'aime moi personnellement, donc ça m'a vraiment, ouais. C'est, oui, d'accord. Ce que je voulais. On va avoir de l'avis contrasté ce soir. Elle va bien parler, je pense. Hein, ouais. Également. Je pense c'est que... C'est exactement le genre de truc que je voulais voir, enfin... C'est marrant, quoi, quand même, comme avis. Par rapport à la rencontre, mais par rapport à la tension, à l'atmosphère, tout ça. Donc, D'accord, ok. Donc, globalement positif, alors. Très, très positif. D'accord. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont quand même un peu moins positives, comme par exemple, je trouve la musique vraiment. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il y a à l'image, quoi, qui est censé être épique. Et la musique est plutôt bateau, finalement. Donc, Nathalie Holt, pour l'instant, je la trouve inexistante. Elle a bien bossé sur Loki, mais sur Obi-Wan, moyen. Ouais, elle est en dehors de son... Je sais pas comment tu dis, mais elle est pas dans son domaine, là, j'ai l'impression. Je t'avoue qu'en plus... Elle est pas dans son élément. Dans les reviews qu'on a tournées, y compris la 3, là, qu'on vient de faire juste avant que je démarre le stream, je crois qu'on a... À part le thème de Williams, genre, on n'a même pas parlé de la musique, en fait. Ouais, non, mais en fait, il y a que le thème de Williams qui est présent, quoi.
Donc, voilà, par rapport aux easter eggs aussi dans l'épisode, j'ai adoré certains des easter eggs qui m'ont fait vraiment péter un énorme câble. Ça faisait longtemps que j'avais pas pété un câble aussi gros. Ah, surtout que là, il y a du gros truc qui a été dit. Donc... Ouais, c'est du très gros. Il n'y a pas genre énormément, je dirais, mais il y en a, ce qu'il y a est gros, quoi. C'est important. Tu le voulais, hein. Ouais, non, là, ouais. Et donc, ouais, il y a pas mal d'autres points qu'on abordera évidemment dans le détail, mais voilà, mon avis, c'est celui-là. D'accord, quand même globalement satisfait. Ça, c'est quand même dingue parce que t'étais comme moi aussi au départ. Hein. D'ailleurs, vraiment l'idée du duel Obi-Wan-Vader, non. Ouais, c'est ça, mais j'ai trouvé la gymnastique mentale qui fait que j'accepte ça maintenant, si tu veux. Après, par contre, c'est. Comment dire ? Les incohérences dont on... Est-ce que tu peux nous apprendre cette gymnastique, s'il te plaît ? Ouais. Bah, on en reparlera. Hein. Mais les incohérences, c'est qu'il pouvait y avoir avec l'épisode 4. De toute façon, le truc qui est un petit peu problématique, c'est que c'est déjà un peu incohérent avec ce qu'on avait dans la prélogie. C'est ça. Ça fait partie des choses que je me suis dit aussi. C'est, de toute façon, c'est déjà un bordel. Donc bon, l'épisode 4 avec la prélogie, il y a beaucoup de choses qui sont très... je sais pas comment dire, awkward, c'est maladroit, quoi, donc... Ne serait-ce que Leia qui se souvient de Padmé, enfin, etc. Ouais, non, mais il y a des choses qui collent pas avec la prélogie, mais bon, ça alors jamais... Ça, c'est en partie expliqué dans l'épisode. Mais oui, c'est en partie expliqué dans l'épisode, ça, c'est vrai que j'ai pensé aussi, mais ça peut être une explication. Mais sans, la théorie des images à travers la force, c'est ça, on l'a depuis longtemps, ça a été une des théories évoquées le plus régulièrement, et puis là... Il semble que renforcé. Ça soit quand même confirmé. Oui, c'est ça, sans que ce soit confirmé à 100%. C'est pas confirmé, mais la théorie est un peu plus étoffée. C'est ça. Ça restera mieux que la novélisation jeunesse de l'univers légende de l'épisode 3 où Leia, bébé, fixe ardemment sa mère pendant 3 secondes. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se souvient. Ardemment. Non, mais sérieux, c'est vraiment... Enfin, c'est pas les mots près, hein, mais t'as vraiment un passage dit... la phrase, je crois, c'est un truc du style... Leia fixait sa mère comme si elle voulait en retenir les moindres traits, tu vois. Non, ta gueule. Ah ouais, tu dis non, c'est trop. C'est le gros sparadrap sale, tu sais. Ça fait beaucoup là. C'est sale, je pense, tu le vois, ouais, ça fait tache là. C'est trop obvious, c'est forcé ça. Mm. Mais ouais, non, là, ça c'est sûr que ça fait une partie des nombreuses choses que j'ai appréciées dans l'épisode, notamment ce dialogue là que j'ai beaucoup aimé. Puis globalement, dans l'épisode, j'ai été très surpris qu'il y ait cette confrontation aussi tôt dans la série, je pensais qu'à tout le monde. Ça, pour le coup, dès l'épisode 3, et donc je suis très intrigué pour la suite des événements, parce que pour moi, c'était le final de la série, en fait. Mais non, c'est ça, il n'y aura pas qu'une seule confrontation, à mon avis. Donc, D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quelque chose qui nous avait été plus ou moins teasé aussi, hein, qui aurait ne serait-ce pas qu'un seul duel, mais plusieurs. Je crois me souvenir en tout cas. Ça donc, a été teasé, oui. Parmi la flopée de rumeurs qu'il y a eu à un moment, Bespin Bulletin, ils ont enchaîné je sais pas combien de semaines avec 3 rumeurs par semaine. Un peu. Au bout d'un moment, j'ai décroché. Du coup, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens vaguement de ça, mais j'avais pas accordé plus d'attention que ça à l'époque. D'ailleurs, le trône de Vador qui avait leak. Qui avait pas forcément leak, mais qui avait été montré en concept art. Hein. Ah ouais, concept art. Ah, c'était montré. Ah ouais, c'est dans le saison des concept art. Oui, d'accord, mais c'était un leak, autant pour moi. Donc, a été gardé à 100% en fait. Parce que c'est exactement le même. Souvent, t'as d'ailleurs, un des. Non. Mais le screen du trône là qui est en train de tourner, c'est vraiment le même plan que le concept art. Ouais, c'est ça. Sans l'hologramme, je crois, à ce moment-là, il n'est pas encore. Je sais plus. En parlant de leak, il y avait vraiment eu un vrai leak sur le combat. Pour le coup, il y avait une scène qui avait leaké le force push de Vador sur Obi-Wan. Il avait leaké, mais tout le monde avait dit ouais, c'est du fake. Moi, je l'avais pas vu. Hein. Ah, c'était celui-là ? C'était le vrai ? En rétrospective, je suis retourné. Ah ouais, d'accord. Voir, exactement le même, donc ça avait bien leaké. Bon, voilà. Est-ce que tu as d'autres encore des problèmes de sécurité Lucasfilm, j'ai l'impression, sur leur tournage, parce que les scènes qui leak, ça continue apparemment. Mm. Donc, Mando d'Ahsoka, qu'est-ce que tu pourrais développer un peu parce qu'il dit la série arrive bien à régler ses incohérences mais en crée d'autres. J'aimerais bien que tu développes pour qu'on voit un peu à peu près ouais, là, quoi tu pas. Penses. Pour le coup, je vois pas. Ouais, c'est pour je ça. Je pense que
c'est peut-être par rapport au combat, je sais pas, que du coup ça donne des visions différentes, mais en restant incohérent. Je sais pas. Bon, à voir. Peut-être qu'il détaillera peut-être, j'espère. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter, Korsov? Bah, Leia Padmé. Est-ce que c'est la réponse à notre question? Ah, ça crée pas d'incohérence, justement. Enfin, ça... Ah, genre Leia Padmé, ça règle ça, mais Vador Obi-Wan, ça rajoute de l'incohérence. D'accord, oui, ok. Ok. Ah ouais, de ce point de vue-là, d'accord. Après, l'incohérence était déjà là pour Vador Obi-Wan, donc bon. Ouais. Bah, on pourra en reparler. J'ai fait un document Word taillant, avec chaque réplique de la trilogie originale qui peuvent être potentiellement considérées comme incohérentes avec la série. Et j'ai fait des colonnes en mode pour et contre, pour présenter les deux points de vue de chaque réplique, justement pour m'aider dans ma gymnastique mentale. Non mais t'as raison, tu nous feras part de tes recherches et de tes travaux. Et pour merci ça que à Bormacher pour son Prime, merci pour l'abonnement, merci, ça fait 5 mois déjà. Et c'est justement en mettant tout ça sur papier, en rédigeant tout ça, et en me calmant en fait, parce que j'étais quand même extrêmement sanguin sur ce sujet pendant très longtemps. Ah ouais, je m'en rappelle, ouais. Que j'ai réussi à accepter cela. Mais évidemment, on pourra en rediscuter. Bah, je crois dans ce qu'on a tourné, ouais, on va passer à Étoile du coup. Dans ce qu'on a tourné tout à l'heure, là, c'est vrai que j'ai même pas. Je disais que j'étais pas emballé par l'idée qu'ils se combattent, et en fait, c'est arrivé, et en fait, dans celle qu'on a tournée aujourd'hui. J'ai même pas dit quoi que ce soit sur le duel en lui-même, c'est du style non, mais en fait je voulais pas que ça arrive, j'ai rien dit. Donc je suis assez dans le même état d'esprit que toi, j'ai l'impression, tu vois. Je vois. Alors du coup, il était une fois une étoile. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Pour le coup... Une partie. Ah, il était une fois une partie, en effet. Pour le coup, c'est quand même un point qui m'a un peu... beaucoup dérangé. Je vais survoler d'ailleurs la conversation pour que vous voyez le pseudo. Voilà, il était une fois une partie, c'est là. C'est marqué. C'est bon, on le voit bien. C'est bien écrit, hein. C'est ça. Mais ouais, pour le coup, ça m'a un peu plus dérangé parce que je me suis dit, mais ils l'ont fait, quoi. Alors, fallait pas le faire. Mais forcément, ça avait déjà été teasé, donc ça allait arriver. Mais ouais, c'est embêtant, quand même. Enfin, c'est un. Alors, à moins qu'ils réussissent à rattacher les wagons, je ne sais de quelle manière, mais c'est assez, assez contraignant, en fait, de voir ça, quand même. La série, c'était un cauchemar d'Obi-Wan. Bah, voilà, par exemple, c'est pas un duel final qui voit un Obi-Wan rebattre Vador finalement, mais c'est assez dérangeant. C'est pas la première fois qu'on modifie un petit peu des termes de films, en fait, des phrases qui avaient été dites dans des films, notamment les Stormtroopers. On en reparlera un jour peut-être. En fait, tu sais, mais Obi-Wan il déconne à ce moment-là, c'est pas grave. Oui, c'est ça, voilà, enfin c'est... Moi, je continue à dire que c'est du sarcasme hein, dans l'épisode casque d'Obi-Wan. Et le monde d'Obi-Wan, c'est une mauvaise interprétation. De... Seules les troupes de choc de l'Empire sont capables de le carton. Genre, les Tusken ne sont pas capables de tirer aussi précisément à cette distance. Genre, ouais, premier degré, depuis tout petit, je l'ai toujours compris comme du sarcasme. Bah, pour moi, je le prenais plus dans le sens où les Stormtroopers étaient forcés à ne pas tirer dessus, en fait. Et c'est clairement indiqué dans le film, en fait. Leur but n'est pas de tuer les rebelles, tu vois. Exactement. Donc, pour moi, c'est surtout une mauvaise compréhension de la phrase et une mauvaise compréhension, en fait, des Stormtroopers et de leur rôle dans les films. Après, ça a été mal développé à terme, mais ça, c'est au plus grand dam de la cohérence de la phrase, mais soit. On peut le prendre de manière sarcastique maintenant, et ça permet de relever le truc. Mais voilà, donc l'épisode, cette partie m'a dérangé. Ouais. En soi, maintenant que c'est fait, je vais pas cracher dessus, hein, c'est pas du tout dérangeant. Je trouvais la réalisation pour le coup était sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais attendez, il y a une différence entre réalisation et ressenti à l'image. Et là, c'est vraiment la chose que je veux pointer. On a l'impression que c'est cheap, mais vraiment. Il y a certains plans qui montrent une lacune évidente sur le budget. Enfin, c'est moche, les décors sont nuls, quoi. Enfin, y a tellement moyen de faire mieux dans Star Wars. Dans l'univers de Star Wars, il y a tellement de diversité. Bah voilà, quoi, c'est vide, c'est fade, les plans cheap, sont. C'est quand même fort comme. Ouais, j'ai pas du tout ce ressenti cheap, moi personnellement. Je bah vraiment, moi, la fin de l'épisode, notamment avec les flammes, j'ai trouvé Je vous avais dit contrasté. Non mais vraiment, j'ai vraiment trouvé avec les ça. Flammes, justement, c'est genre un de mes plans préférés avec les flammes sur le lentille de Vador, là, sur ses. C'est ça en fait, on dirait un fat film. Cheap as fuck.
Non mais on dirait un fan film. Il y a vraiment des plans où je me dis mais. Je suis un peu d'accord sur certains plans. Ouais, surtout l'environnement un peu simple, on va dire. Ça me dérange pas, mais c'est un peu simple. Spoilez pas ma critique, s'il vous plaît. Non mais vraiment, soi... je suis d'accord qu'il est pas extrêmement. Il est pas exceptionnel à l'endroit, donc bon. Enfin, il y a tellement moyen de faire mieux dans l'univers Star Wars. Il y a tellement de planètes exotiques, il y a tellement de j'ai envie de dire de luxure d'environnement que c'est assez frustrant en fait de voir une petite planète comme ça, très vide, très j'ai envie de dire fade. C'est intéressant. Enfin voilà, les plans ne sont pas beaux. Je suis désolé. Il y a des plans qui le sont. La réalisation est sympa, la mise en scène est cool, mais visuellement ça rend pas beau en fait. Et enfin, par exemple, je sais pas, un plan qui m'a vraiment assez dérangé, je crois que je rejoins Absolute sur ce point-là, c'est la scène où Vador est sur son trône, du coup, et Mustafar dans le front, c'est vraiment très, très basse qualité, quoi. C'est assez terrible à constater. Je suis d'accord. Et enfin, voilà, c'est vraiment la sensation de manque de budget qui se fait ressentir, ce qui est assez dommage pour une série Star Wars. Ce qui est même, comment dire, surprenant, quoi. Ce qui est même surprenant pour une série du coup annoncée comme celle-là, hein, avec des acteurs comme de ce calibre, enfin le retour d'acteurs très importants de la saga, c'est assez triste en fait. On a la sensation que toutes les clés ne sont pas données, et même malgré une réalisation que je trouve vraiment correcte, je trouve qu'il y a de vraies idées de la part de la réalisatrice, c'est triste. C'est qu'en soi, c'est pas, le problème ne vient pas d'elle, c'est juste qu'on a le sentiment que voilà. Y a pas, le budget ne suit pas, y a pas la possibilité de faire quelque chose de plus grand. Et c'est vrai qu'il y a certains plans au final où on se dit c'est vraiment ça le premier combat retour entre Obi-Wan et Anakin. C'est vraiment ça. Mais ce sera pas le vrai combat de la série. Ah, mais évidemment que ce sera pas le vrai combat. Parce que c'est un peu un avant-goût quand même. C'est un avant-goût. C'est un teaser. C'est un teaser, ok, d'accord. Mais c'est triste de dire que c'est la première. Première confrontation depuis la dernière fois et qu'elle est... Elle a lieu sur une planète Mapuzo, c'est ça? Ouais. Une planète de la bordure extérieure minière, vide. Et... Y a pas... C'est pas une vraie confrontation à 100% parce que tu te rends compte qu'il essaye de... se barrer pendant tout le truc en fait, Obi-Wan. C'est, c'est un duel à sens unique évidemment, mais c'est assez triste. Il se défend quoi, mais c'est tout. Voilà. Après, voilà, hein, d'autres. Voilà, des dialogues parfois pas toujours très pertinents, je trouve, notamment. Enfin, j'ai vraiment du mal à m'intéresser aux acquisiteurs pour le moment. Je sais que ça va être assez débattu ça aussi, mais je trouve que la... Quand t'as Obi-Wan et Vador dans la série aussi... C'est ça, ça fait vraiment diminuer leur importance, même si la lutte intestine peut être sympathique à développer. À voir quand le Grand Inquisiteur va revenir, ça va être intéressant. C'est ça. Ah, ça. Qui ? Là, pour le coup, on aura de... Qui ? Le gars qui est mort, là. Le gars qui est mort, là. Vous n'êtes pas mort, c'est pas ce truc. C'est un peu ça, ceci dit. Donc épisode frustrant en fait, hein. Je pense que c'est le terme. Frustrant. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est frustrant. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai beaucoup parlé. Non, non, mais c'est bien de détailler aussi, y a de quoi faire aussi, hein. Y a de quoi dire. Ouais, t'as pas plus à rajouter du coup ? Non, je rebondirai peut-être si Y me donne... me donne plus d'éléments, mais non, pour le moment. Juste un petit truc avant, parce que je voyais Mando d'Asoka qui disait c'est Valen Maul qui disait c'est censé être le duel de l'histoire et en fait on est juste dans une vieille carrière avec des caisses et des tas de sable. Ce sera pas le seul duel qu'il y aura dans la série, ce sera forcément le rematch. En même temps, maintenant que j'y pense, c'est vraiment Anakin de mettre du sable en feu, quoi. Ah! Le rematch of the century, pour prendre les paroles. C'est le rematch de Anakin contre le sable. Le vrai rematch, c'est plus tard. La phrase A New Hope perd beaucoup de son sens quand même. Hein. C'est vraiment dur de voir comment ils peuvent expliquer ça en fait. Bah, c'est lui de toute façon, A New Hope. Bah oui. Ouais, mais bon. Comme vous m'avez laissé, oui, j'étais Luke. Ouais. Bref. Or Johan, tiens. Alors moi, ce que j'en ai pensé, je trouve que c'est un très beau fan film. Non mais vraiment c'est vraiment de très bonne qualité, c'est très très beau pour un fait film, pour un épisode de série Star Wars officielle, ça ne marche pas du tout. C'est quelque chose que je m'attends à voir sur la chaîne de Star Wars Theory, ça c'est pas quelque chose que je m'attends à voir sur Disney+. Est-ce que tu parles par contre d'un moment en particulier ou de l'épisode dans sa globalité? Du duel surtout. D'accord, ok. Duel et de toutes les scènes avec Vador. À part le début, même si le début fait un peu bizarre, mais c'est quand même très stylé. Pour c'est la construction. Ça, c'est un truc, c'est qu'il y a des. La construction, ouais, c'est stylé, mais ça fait un peu bizarre aussi en même temps.
je trouve. Mais j'ai beaucoup aimé, mais ça fait bizarre. Le duel, bon, vous savez ce que j'en pense depuis le début, hein, c'est quelque chose que, qui me faisait extrêmement peur dans la série. J'espérais que ça se ferait en vision. J'ai toujours l'espoir que Obi-Wan se réveille à la fin de la série et que ce soit qu'un rêve. Vraiment, j'ai toujours cet espoir-là. Ça n'arrivera pas, mais on sait jamais. Et là, tu sais, il se réveille et t'as la voix de Qui-Gon. Voilà ce qui va se passer si tu quittes Tatooine, en fais pas le con. Visiteur du futur. C'est ça, ouais. Alors voilà ce qui va se passer. Non, il faut surtout pas que tu partes. Voilà ce qui va se passer. Bref, voilà. Les scènes avec, entre Obi-Wan et Leia sont toujours très agréables. Hein. On ressent toujours l'émotion quand il parle de Padmé et tout ça. Oui, parce qu'il parle bien de Padmé, encore une fois, hein, pas de Satine. Attention. Même le moment où il voit Anakin, c'est plus comme ça que je voyais les choses. En fait, pour le duel, c'est plus genre il le voit partout. Et là, le rendu fait. Enfin, ça fait bizarre, quoi. Il y a un truc qui va pas. Déjà, c'est cramé à 10 000%. Tu vois que c'est vraiment subjectif, parce que je suis absolument pas d'accord. Ah, vas-y, ouais, du coup, Johan, ouais. Après, ça, c'est plus en termes de réalisation, mais je veux dire, la caméra qui commence à tourner un peu et qui se désaxe. Pour le trouble d'Obi-Wan, c'est ça ? Ouais. Voilà, c'est très obvious, en fait. Tout est forcé. À ce niveau-là. Donc, ouais, c'est cool, mais ça aurait dû être le cas vraiment plus. Et avant leur rencontre aussi, au moins 2-3 épisodes. Enfin, même juste, ils se rencontrent vite fait de loin, ils le voient, ou même pas forcément. Enfin. Je veux dire. Merde. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. La série est plus de. Every day I wake up and I say to my Alors je suis biaisé forcément, tout le monde est biaisé parce qu'on a un avis, c'est un peu la définition d'un avis. Mais comment ? C'est fou parce que moi j'étais contre depuis le début mais j'ai complètement changé. La même. Voir le duel était très cool, je suis toujours absolument opposé à l'idée. Genre c'était très agréable voir Vador voilà. Mais ça fait fan film, c'est pas. C'est plus le rendu que l'idée en soi. Flammes, en fait. Tout ça, c'est l'idée du duel en soi, c'est une catastrophe. Je reviens pas dessus. Non, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Mais bon, vas-y. Mais effectivement, en termes de rendu, c'est un peu bizarre. La couleur du sable d'Obi-Wan, je m'attendais à ce que ce soit plus clair. Ça, c'est vraiment un détail, mais. Bah non. Je m'attendais à ce que ce soit plus proche de sa couleur dans la trilogie originale que dans la prélo. Ah oui, c'est vrai qu'il fait plus bleu clair. Ouais. C'est ça. Disons que surtout dans le noir, je m'attendais. Puis là, c'est juste bleu, on se croirait dans Star Wars. Oh, pardon. Non, du coup, ouais. Enfin, voilà, même là, le plan qui est montré ici. Enfin, tout ça, c'est très très fan film. Hein. C'est vraiment. J'aime bien le plan, là, par contre. Mais bon. Non, mais il est cool. Hein. Le plan avec Vador, les flammes et tout ça, c'est très cool. Mais. À chaque fois, je faisais, oh, c'est beau. Non, mais c'est ça. Non, t'as eu raison. Ah, t'as raison, c'est très beau, mais. Pas pour un épisode de série. Enfin, voilà, c'est bizarre quand même, c'est un peu contradictoire. C'est beau, mais en fait non. Ça fait pas vrai film, c'est ça qu'il veut dire, je pense. Voilà, ça fait pas... Ouais, ça fait fanfiction, ça fait fanfilm. C'est, ah ouais, là, Obi-Wan, il se rencontre, et puis là, Vador, il est là, ouais, je suis ce que tu as fait de moi, et puis après, paf, puis ils se battent, et puis après, il le met dans le feu, et tout, puis ouais, c'est trop stylé. Enfin, c'est un peu Visions, à ce niveau-là. Oh, quand même. Ça fait penser à ceux qui ont refait le... Attends, ouais, Barek, vas-y. Ça me fait penser à ceux qui ont refait le combat Obi-Wan Vador du 4 en mode ultra badass et. Non, mais là, c'est trop ça. Là, c'est dégueulasse. Mais celui-là, c'est un peu ça que j'ai ressenti. Le déséquilibre était bien. J'ai clairement ressenti ça de l'épisode, moi. Même si le déséquilibre était bien, c'est-à-dire qu'on voit bien que Obi-Wan est très faible, qu'il s'est pas entraîné depuis longtemps, qu'il a pas envie de se battre et tout ça. Ça, c'est très bien passé pour le coup. Mais même en termes de réalisation, en termes de tout ça, Moyen, t'as l'air déçu parce que t'avais aimé Vador Vador dans son château, c'est bizarre, il se lève, ça fait bizarre comment il se lève, enfin juste des petits détails. Le rendu quand il parle à l'hologramme. En fait, même la voix, tu sais pas, même la voix sonne un peu bizarre en fait. La voix sonne très artificielle. En fait, tu sais pas, mais le et château j'ai de Vader tourne sur Unreal Engine 4. Même en français, la voix de Philippe Catoire sonne un peu bizarre. Ah, même en VF ? D'accord. Ouais, j'ai regardé pour le coup parce que je me suis dit, peut-être. Parce que j'adore la voix de Philippe Catoire en tant que Vader, que ce soit dans Rogue One ou dans Star Wars 9 ou dans Battlefront 2. Enfin, j'adore sa voix vraiment.
Mais même là, ça sonne bizarre. Pour ce qui est du Grand Inquisiteur, j'en parle pas parce que, enfin, on ne sait pas vraiment encore précisément si. On peut dire ah non, le grain de poussière sur sa cape m'a gêné, épisode de merde. Enfin bref, voilà, on peut toujours partir en sucette sur tous les détails. Juste pour rebondir sur la voix de Vador, j'ai vu que, alors je sais pas si c'est sur tous les dialogues de Vador ou si c'est sur certains, mais que il y avait des mélanges. Hayden Christensen et j'oublie son nom. James Earl Jones. Et mélanges. Et Earl Jones. Comment ça des mélanges? Ouais. Alors, c'est la Mandalorian Luke, je pense. Je suis pas allé vérifier, mais c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube où il disait qu'il y avait des mélanges comme la façon, comme dans Rebels avec au moment Ahsoka brise le casque, où c'est un mélange entre deux doubleurs. Non, c'est vraiment la voix de James Earl Jones dans la trilo originale, mais enfin, je veux dire, ça fait très bizarre parce que justement, ça fait très longtemps qu'il a plus cette voix-là, quoi. Ça fait très longtemps qu'il a plus toutes ces intonations, donc. Non, d'accord, bah, le mol, mais là, c'est pas exactement la même chose. Après, moi, j'ai beaucoup aimé la voix de James Earl Jones. Ouais, même pour Rogue One et tout, je trouve que sa voix est pas identique, mais elle passe très bien. Mais là, pour le coup, ça fait presque. Enfin, il y a un truc pas normal. Ouais, ça te semble étrange, quoi, un peu off. Très mécanique, même si l'émotion dans I Am What You Made Be, c'est très cool, mais. Elle est géniale, cette réplique, comme ça, par contre. Non, je l'ai vu venir à des milliers de kilomètres aussi, mais. Non, mais c'est cool. Enfin, je ne l'aime pas dans cet épisode. C'est un peu comme l'épisode de Mandalorian d'un Book of Boba Fett. C'est-à-dire, ouais, c'est très cool, mais enfin, non, quoi. Bah, là, c'est quand même raccord. Bien sûr, c'est raccord, mais c'est un peu le même ressenti quand même. C'est-à-dire que, ouais, d'accord, c'est très cool, mais enfin, non. Voilà, j'en ai peut-être assez dit. J'en rajouterai peut-être si j'ai d'autres idées après, mais voilà mon ressenti. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, mais l'épisode était moyen. C'est fou parce que personnellement, j'avais des attentes extrêmement élevées sur le traitement de Vador, son apparence, sa voix. Justement, j'avais très peur pour sa voix. Et franchement, je suis extrêmement satisfait. Ah oui, la première fois que j'ai entendu parler, j'ai fait oui, ils n'ont pas mis Christensen. Bah, c'était obligé. Ça aurait été dégueulasse. Ça n'a rien à voir. Même son accent n'a rien à voir. Donc, même mais si comme toute la promo était vraiment centrée sur Christensen, j'avais peur qu'il fasse ça. Après, c'est lui dans l'armure. Quoi. Oui, ça c'est lui dans l'armure. Voilà. Si t'as rien de plus à rajouter, on va peut-être passer à Barak du coup. Quand on passera aux théories, on en reparlera, mais bon, je pense qu'on le verra son visage sans armure à un moment ou à un autre. Alors, on a déjà un peu vu son visage de loin. Hein. Ouais, c'est ça, de loin, donc c'est un peu un avant-goût. Moi, je te dis, je mise encore sur Anakin Flashback. Pendant l'Ordre 66. De toute façon, pour la backstory de Reva, ça va être obligé. Hein. Bah oui. Rencontre entre Reva et Anakin dans le temple. Bah forcément, c'est comme ça qu'elle a appris. Ouais. S'il y a un truc de fanservice que je veux, c'est Obi-Wan Anakin dans les armures de The Clone Wars. Ouais, ça aussi. Ouais, mais plus... Moi, c'est vraiment le truc fanservice que je veux voir. C'est plus ça va, moins je le vois venir, ça. Mais bon, ouais. Enfin, je veux dire, même ce plan, je vous envoyais un plan, mais celui-là, il aurait pu être fait différemment pour moins paraître bizarre. Parce que là, c'était très cheap. J'ai oublié de dire ça, mais l'entrée en scène de Vador dans le village, putain, mais je crois que c'est la première fois que j'ai peur de Dark Vador, hein, personnellement. Mais il est vraiment géré comme une créature prédatrice. C'est ça qui est cool. Toujours d'ailleurs. Été intimidant, toujours été. J'adore ce perso comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais genre là j'ai eu peur, tu vois. Puis la tranche qui fait. C'est d'horreur, quoi. Tu sais, le parallèle en fait, que j'avais limite, dressé. Ça fait trop brutal par rapport à son personnage, en fait. Il y a aussi ça qui fait fan-film. C'est-à-dire que, il brise les nuques de gens sans aucune raison, machin truc. Bah, Vador a toujours été très bien, c'est brutal, c'est très menaçant, mais. Il est comique canon, il fait ça. Hein. Briser le cou des gens, il le fait. C'est pas du tout sans raison, c'est pour faire. Quand même, ça te fera un peu le contexte, mais c'est juste, ça fait un peu. Ça m'a clairement fait penser à la Haute République, dans le sens où t'as un personnage qui fait souffrir des gens pour faire souffrir le Jedi. Bah oui. J'ai fait c'est génial qu'il c'était pas de la violence gratuite, si tu veux, c'était pas un méchant qui tue juste pour le plaisir. T'avais un réel sens, c'était pour faire sortir Obi-Wan de la cachette. Là pour le coup, ça m'a vraiment fait plaisir. Le regarde en fait. Non, bien sûr, mais évidemment. Il ressent sa présence. Je dis juste mon ressenti par rapport à ça.
Oui, mais après, tu vois, tu peux justifier ça par la situation. C'est pas genre il a déboulé dans le village, il a dit que c'est tiens, j'ai pas juste que ça faisait bizarre pour moi. J'ai pas dit que ça se justifiait pas, mais je comprends la justification. Oui, un truc que je voulais dire, par contre, aussi, j'ai fait un parallèle là, dans la review qui sortira demain, décidément, je vous spoil tout. Que tu sais la façon dont je sais pas pourquoi en fait quand Obi-Wan ressent la présence d'Anakin, enfin de Vader, la même chose, quand il ressent qu'il est là, ça m'a fait un peu penser à la même chose qu'avec Ahsoka dans Rebels. Ahsoka, ouais j'y ai pensé aussi. C'est le c'est les mêmes yeux écarquillés et j'ai mis le screen sur les c'est comme si c'est ce choc, tu sais, genre le Et c'est un plan que je le trouve à la fois bien et très moche d'ailleurs dans Clone Wars, parce que je trouve que les yeux sont vraiment trop écarquillés. Dans Rebels, tu veux dire. Mais oui. Dans Rebels. Oui, Rebels, qui n'est plus canon. C'est The Bad Batch des Clone Wars, hein, c'est pas Rebels, attention. Et enfin, c'était vraiment trop exagéré. Et c'est marrant parce qu'ici, du coup, je sais pas si c'est volontaire que ce soit une scène parallèle, mais le côté. Alors du coup c'est un truc que Johan n'avait pas aimé, mais avec la caméra de côté qui met un sentiment d'étrangeté et d'inconfort. Mais du coup je trouve que ça retransmet ce côté un petit peu étrange du visage déformé d'Ahsoka de Rebels. Ouais. Et alors ça m'a dérangé autant dans Rebels que dans cette série. Mais du coup le fait que ça se ressemble j'aime bien. Enfin c'est bizarre. Mais il y a une cohérence. Une cohérence, ouais, un petit peu de citation. C'est, quoi, le plan similaire. Une citation visuelle. Voilà. D'ailleurs, il y a une citation visuelle que t'as repérée aussi, on en parlera plus tard. Ouais, oui, je l'ai mis en diapo. Une nouvelle valeur de plan propre à Star Wars. Non, je déconne. 100% Disney en plus. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Du coup, bah, Barak, tiens, allez. Déjà, mention spéciale pour un des seuls citoyens pro-empire qu'on voit dans Star Wars. C'est rare. C'est vrai. Il a l'air très sympathique en plus. Il faut un peu d'ordre dans la galaxie quand même, non? C'est ça. Mais du coup, c'était très naturel comment c'était fait, parce que en général, les citoyens sont montrés comme des victimes de l'empire. Oui. Et c'était rafraîchissant de voir un personnage comme ça qui est super bien fait. Alors, j'ai pas retenu l'acteur, mais apparemment, c'est un caméo, le gars. C'est Zach Braff. Le doubleur. Ouais, je le connais pas, perso. Mais c'est celui de Scrubs. Scrubs. Oh putain. Ça me dit quelque chose de non. Mais je suis vieux maintenant, bordel. Ah oui, c'est une série. Mais c'est avec Donald Faison là, qui joue dans Résistance en plus aussi. Ouais, j'ai vu, mais j'ai jamais regardé. Enfin... C'est très marrant, Scrubs en plus. Bref. C'est sur Disney Plus. Allez regarder. Allez regarder, c'est sur Disney Plus. Mais sinon, je vais un petit peu vous rejoindre, mais qui avec quelques nuances quand même. C'est que j'étais extrêmement biaisé en regardant cet épisode, parce qu'évidemment j'étais contre cette confrontation, mais je voulais quand même voir ce qu'ils allaient faire. Bon, évidemment très surpris qu'elle arrive à la moitié de la série, en tout cas pour la première. Je sais que c'est sûr qu'il va y avoir un rematch. Oui. Et en fait, ça m'a, je le sais que ça m'a clairement gâché toute mon expérience du combat. Si vous voulez, moi, pendant... je pensais que ça allait être le cas pour moi, mais non. Alors, j'ai bien apprécié, mais j'étais pas époustouflé ou quoi que ce soit. Et ce qui m'a mis le plus d'émotion dans l'épisode, et j'arrêtais pas d'y penser pendant le combat, c'était la mention de Quinlan Vos. Ouais, pareil. Quinlan Vos, c'est jamais le film aussi. Le fait que j'arrête pas de penser à Vos pendant le combat Obi-Wan Vador. Mais en fait, tu sais que là, à ce moment-là, il y a Quinlan Vos qui est vivant, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première mention de Quinlan Vos à l'écran. Non, c'est pas la En live action. Oui. À cette période-là, en vie, 10 ans après l'épisode 3, mais c'est énorme comme révélation. Oui, c'est super long. J'étais vraiment comme un fou et tout, donc bref. Et alors, sur le côté fan-film. Déjà, ça m'arrive rarement de trouver que les dernières productions ça fait fan-film. Même l'épisode de Rodriguez de Mandalorian. Putain, j'allais le dire. Ah, ça faisait pas fan-film, hein, c'est juste alors, moche. Non, mais il y a plein de personnes qui disaient que ça faisait fan-film. Alors, c'était très classique, mais j'avais pas eu cette impression-là quand j'avais regardé. Par contre, ici, il y a
il y a que le combat il y a que le combat Vader Obi-Wan qui j'ai trouvé très très cheap. Alors en fait c'était cheap avec du budget sur le son et la couleur des sabres, mais sinon le reste c'était cheap avec un Vador qui se téléporte dans un endroit qui est ouvert. Tu veux dire c'est la série en fait. En fait depuis un épisode la série montre bien les limitations du volume en fait. Ouais, c'était alors. J'ai regardé plusieurs vidéos, enfin plusieurs critiques de différents youtubeurs que je suis, dont un d'ailleurs qui s'appelle la Tribune de Coefficient, je sais pas si vous connaissez. Mais j'ai jamais entendu parler de Connor. Pardon. Mais j'en ai regardé d'autres et justement il y en avait un qui disait qu'il trouvait que sur les deux premiers épisodes on voyait les limites du volume et que ça lui dérangeait parce qu'il voyait en fait le. Enfin, c'est comme s'il voyait entre guillemets le volume. Ah, un peu comme si perçois les limites en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme très souvent d'ailleurs sur la prélogie, tu vois les fonds verts. Ouais, enfin bon, là, faut chercher quand même. Mais pourtant, ça fait. Oui, mais faut chercher des trucs à critiquer. Enfin, je sais pas. J'ai absolument pas eu cette impression sur les deux premiers épisodes. J'ai trouvé le volume et les environnements très bien gérés. Ah bah oui. Par contre, sur celui-là, si, ça, là, il se voyait le volume. Enfin, tu voyais qu'ils étaient limités en type d'environnement. Et, enfin, en fait, ce que je comprends pas, c'est que le fait qu'Obi-Wan fuit Vador, c'est logique, parce que ben, simplement, dans la situation, il cherche aussi à sauver Leia, donc à distraire Vador. Et les Inquisiteurs. C'est pas critiquable, ça. Donc, en fait, le fait qu'il fuit, surtout qu'il sait qu'il ne pourra pas gagner parce qu'il est beaucoup trop faible après 10 ans sans avoir rien fait. Bah évidemment. Donc ça me pose pas problème. Le truc, c'est que autant faire un personnage qui fuit, ça a été très bien fait dans le combat de l'épisode 3, c'est que tu changeais d'environnement et t'apportais des choses. Là, c'est tu fuis et il y a un tas de terre, il fuit, oh, un autre tas de terre, oh, une grue peut-être. Bah, allez, après, ouais, c'est le choix du et lieu. Non, mais même là-dedans, tu pouvais donner, je sais pas, interagir avec des véhicules. Ah, ouais, ou par exemple, qui rentrent à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple. Des véhicules de chantier qui rentrent dans un bâtiment, je sais pas, n'importe quoi. Tu peux faire des trucs. En fait, oui, là, ça reste en plein air, quoi. Ouais. C'est ça, mais ici, il fuit, mais il n'y a aucune idée de plan. C'est toujours la même chose. Alors, parfois, tu as des plans larges qui sont jolis, certes. Oui. Mais c'est la seule idée. Sinon, il fuit pour rien de manière. Je sais pas si c'est le terme, mais de manière cinématographique. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais oui, c'est une fuite qui ressemble à rien, quoi. C'est ça. C'est logique dans le scénario, mais à l'écran, c'est fan film, en fait. Voilà. C'est ça. Tu mets un décor de forêt, c'est tous les fanfics qu'on voit sur YouTube, quoi. J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un peu ce que je disais sur Boba Fett. C'est du style. Bah, l'histoire, elle est pas mal, mais si tu me la racontes, c'est bien. Mais si je la vois, c'est moins bien. Ouais, voilà. Alors, mais par contre, je suis pas du tout d'accord sur la fin avec le feu. Là, pour le coup, j'avais pas du tout cette impression fin de film. Là, je trouvais les plans vraiment, vraiment très jolis. Alors, il y avait le côté. Il y a un truc qui m'a dérangé, qui m'a limite fait rouler des yeux. C'est Vador qui allume le feu avec son sabre. Ça c'est super, super sympa. Après, il traîne Obi-Wan dans le feu. C'était. Enfin, le parallèle de ça, c'était vraiment classe. Tout ça, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Après il pousse, ça a éteint tout le feu, why not, mais avec Indira Varma qui après rallume le feu, parler, ouais, j'ai fait que... oui, non, ça c'était nul, ça. Encore beaucoup de gens critiquent ça, mais moi je suis pas et là justement la scène qui pose problème, c'est que bon, déjà premier problème, pourquoi tous les Stormtroopers s'occupent de la de une tireuse d'élite, enfin de une tireuse je sais plus, il y a quasiment 10 Storms qui sont autour, mais bon, et pourquoi vous tirez pas sur Obi-Wan aussi, bref. Et il tire sur Obi-Wan aussi, hein, après. Quand il se fait récupérer par le droïde Ned, là. Mais tout quand même très tard. Oui, plus tard, Oui, oui. Et il y a du feu, il voit rien, genre piu-piu, tu vois. Genre. Et du coup, alors là c'est pas forcément incohérence, mais on pourrait clairement dire que Vador aurait pu arrêter Obi-Wan avec la force, pousser le droïde, le détruire ou quoi que ce soit. Alors c'est incohérent et il aurait pu le faire et il l'a pas fait et que c'est du feu qui l'a arrêté alors que dans les comics il survit à bien plus que ça. Et tu sais que j'ai cité les comics en plus dans la review. Ouais, non, mais c'est il marche dans la lave avec son armure. Ou alors, c'est ça, genre son armure survit à de la lave. C'est juste qu'il veut le laisser prendre un peu d'avance pour continuer à jouer avec lui, c'est tout. C'est ça. Ou alors,
Ou alors il le laisse, et j'espère qu'il y a une mention plus tard pour légitimer ça. Sinon, ça fait bizarre. Bah, et ça fait grosse fessée scénaristique. Donc je trouve aussi qu'il joue avec Glenn, il s'en sort facilement un peu quoi, dire sur la fin. Ça fait 10 ans qu'il attend ça, Vador. Je pense qu'il a un peu genre prévu tout ça et qu'il veut juste le faire souffrir. C'est bien physiquement bah, que ouais, mentalement. Bah oui, mais justement, il pouvait le capturer. Et c'est plus facile du coup de le faire souffrir. C'est peut-être plus fun de le faire jouer envoyer. Avec sa proie, le chasser. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il a été tellement difficile à trouver pendant 10 ans. Dire pourquoi tu le laisses partir alors que tu viens de lui tomber dessus. Quoi. Enfin, c'est quand même prendre un gros risque. C'est ça, c'est le risque de le voir disparaître à jamais, de jamais le retrouver. Hein. Enfin, je sais pas. Donc, oui, j'espère qu'il y a une bonne raison que ce sera au moins évoqué. On sait qu'il va le retrouver, donc bon. En fait, tu sais pas, mais il y a Reva qui va débarquer, qui va lui foutre une claque. Mais t'es con. Puis là, elle va se faire tuer là, Joss. Elle meurt là. Oh là là. Ouais. Mais ouais, j'étais vraiment à la fin de l'épisode, j'étais en doute. Alors les deux premiers m'avaient vraiment foutu une claque. Je m'attendais pas à tout ça, ça m'avait donné une grosse hype. Je les ai vus trois fois chacun, quasiment d'affilée. Reva m'a planté aussi. Celui-là, j'avais même pas envie de le revoir. Ah ouais. Enfin, celui-là, en fait, ça m'a fait l'effet comme tous les épisodes de Book of Boba Fett, dans le sens où je le regarde. Ouais, c'était sympa, je passais un bon moment, mais puis voilà. Je me suis revu quand même la confrontation de fin, parce que j'avais envie. Moi, je l'ai revu 4 ou 5 fois l'épisode déjà. Ah ouais. Ah, je suis vraiment à fond. mais sinon, là, l'entrée de Vador sur la ville, là, c'est génial. Il tue génial. Et encore plus flippant que dans Rogue One. Je pensais pas que c'était possible. Tout le monde dans tous les sens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la violence gratuite. Donc c'était vraiment très kiffant. Parce que évidemment, s'il avait fait ça juste pour imposer le respect, comme Reva sur Tatooine, ça aurait vraiment fait cheap. Bah oui, bien sûr. Mais là, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, après, les Inquisiteurs qui sont clairement mis de côté pour cet épisode, c'était logique. Hein. C'était l'épisode de Vador. on a compris. Ça m'a... Bon, je pense qu'on peut citer ça comme défaut, mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Après, ce qui est marrant avec les Inquisiteurs, c'est aussi toute l'espèce de guéguerre du style « Ah, c'est moi qui ai contacté Vador. Ouais. Ah non, c'est moi qui ai contacté Vador. » C'est bon. le 5e frère m'avait pas dérangé dans les deux premiers épisodes. Là, il faisait un petit peu... Ça faisait maternel, quoi. C'est moi qui suis le copain du patron. C'est moi qui suis le favori du prof. C'est moi qui vais m'asseoir sur la grande chaise. C'est ça. C'est ma chaise à moi. Oh bah c'est des enfants, mais bon. Il a dit « I'm the next in line », d'ailleurs. Bah oui. Ouais, ouais. Très, très étonné qu'ils aient pas vraiment parlé du Grand Inquisiteur. Alors, ils savent du coup qu'il est mort. Non, c'est pas dit clairement. Si, elle le dit, Reva. Reva dit, elle a coupé juste avant de prononcer l'état de l'Inquisiteur. En VF, elle dit le meurtre, parce que je sais. Ah bah alors, c'est un abus de la VF. Ah non, clairement. Ah ouais. Ah si. Il va payer pour le meurtre dû, et c'est là. He will pay for the Grand Inquisitor's de... Voilà. Donc, demise, je sais pas, tu sais pas trop. T'as juste un début d'un son. Et ah Vador dit The Grand Inquisitor means nothing. Avant, elle dit bien que c'est Obi-Wan qui l'a tué. The Grand Inquisitor means nothing. J'ai pas souvenir ça, mais simplement le fait qu'ils se battent pour le fauteuil de Grand Inquisitor. Oui. Genre, moi, ce que j'ai compris, c'est que hors champ, du coup, ils ont appris la mort du Grand Inquisitor, mais le fait que ce soit hors champ, c'est étrange, parce que du coup, il n'y a aucun questionnement autour de la mort. Oui. Et est-ce que, du coup, elle a fait passer que c'est Obi-Wan ? Est-ce que c'est elle ? C'est ce qu'elle dit à Vador. Il va payer pour la mort de... Enfin, pour la mort, non, du coup, mais pour ce qui est arrivé au Grand Inquisiteur, c'est ce qu'elle dit. Donc, ah bah oui, c'est sous-entendu, mais c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ce qui est logique de sa part, hein, mais bon. Envers le 5e frère et la 4e sœur, il manque une info, je trouve. Oui, certes. Ah, ouais. Ouais. De toute façon, quand il va revenir, voilà quoi. Ça va filer droit.
Et aussi, bon là, c'est même qualité que sur les deux premiers épisodes, les Obi-Wan et Leia, la relation entre les deux, c'est toujours excellent. Les jeux d'acteurs sont toujours aussi excellents. Là, c'était vraiment un vrai kiff. Enfin, un des moments de l'épisode que j'ai préféré, c'est toute la scène dans le pick-up là. Mmh. Ouais. Très tendu. C'était ma scène préférée vraiment de l'épisode parce que c'était que des toutes ces petites références dans tous les sens qui sont assez subtiles et tout ça. La famille d'Obi-Wan. C'est vraiment sympa, la famille d'Obi-Wan. Alors, du coup, je sais pas si on peut parler qu'il a vraiment une famille parce que c'est lui qui croit s'en souvenir. Genre, c'est des bribes, mais même lui n'est pas sûr. Il croit se souvenir de son frère, en tout cas. Ouais, c'est ça, il croit se souvenir de son frère et de ses parents. Son frère Owen non, pardon, excusez-moi. Mais il n'est pas sûr. Obi-Wan. Je suis allé voir dans, du coup, ce que c'était dans l'univers légende, mais du coup, il. C'était quoi? C'était dans une version du script de l'épisode 6? C'est la novélisation. Ah oui, la novélisation du 6. Où il y a Obi-Wan qui pensait à un moment qu'il avait son frère, c'était Owen, et au final, il avait rêvé d'Owen Lars. C'est ça, je crois. Enfin, en tout cas, il a un frère qui s'appelle Owen dans le truc. Mais après, ça a été corrigé parce qu'en fait, à la base, Owen était censé être le frère d'Obi-Wan, si je me souviens. Mais ça a été. ça a été éjecté du truc. Attends, parce que du coup, là, c'est ce que j'avais lu sur Wikipédia. Parce que oui, c'est ça, c'est Obi-Wan qui avait vu une vision de la force de son frère Owen, et après, en fait, il s'est rendu compte que c'était Owen Lars, le beau-frère de Anakin. Donc, c'est même précisé sur Wikipédia qu'il n'a pas vraiment de frère. C'était juste qu'il s'est trompé. En tout cas, a mal interprété. C'est un truc un peu particulier. C'est un peu weird quand même. Après, à voir si jamais c'est réutilisé. Je pense que c'est juste en passant, ça, c'est pas plus que ça. Ouais, c'est ça. C'est... Why not? Après, sur le principe, j'aime bien l'idée de développer. Parce que c'est quand même... Je sais pas si ça a déjà été fait dans le canon d'ailleurs, ça me dit rien. Mais du coup, de développer la famille d'un Jedi, mais du coup, d'un Jedi. Entre guillemets classique comme Obi-Wan qui a été recruté de la manière classique et qui pense quand même à sa famille. Après le fait qu'il ait fait avec Obi-Wan, bon. Oui, bon, ça m'étonnerait qu'on en sache plus, hein, mais non, j'espère qu'on en saura un peu plus. C'est pas quelque chose qui doit être exploré à mon avis, parce qu'après, même dans les légendes de mémoire, ils en disent rien. De ce que dit Wikipédia, ils en disent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il a un père et une mère, bon, bah, jusque là, bon, d'accord. Mais pas bien plus. C'est ça. Jusque là, ça va, ça me paraît plutôt. Oui, ça me paraît logique. C'est pas un clone, c'est sûr. C'est peut-être un strand cast. Avant qu'il soit né comme Anakin, sans père. Et c'est la mode en ce moment, les clones. Donc, la mère Kenobi qui fait « Je ne me l'explique pas », tu sais, ouais, bien sûr. Mais bonsoir, oui, Trooper 13. Pas à nous. C'est bon. Not again. Ça recommence. Ouais, est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter ou Non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de calculer le pourcentage des votes d'appréciation et que je suis en train de le faire de suite. Bah vas-y, oui, parce qu'on a lancé un sondage. Je t'envoie ça après. Et tu sais quoi, je vais lancer un sondage aussi. Dans le chat, tiens. Vous avez lancé un sondage où, en fait? Sur Facebook. Comme Tu sais, la page Facebook. Non, là, j'ai fait mon salaud. J'ai pensé tout à l'heure et je me suis... Comment on l'avait fait sur les... Robert, en fait. Les deux premiers épisodes, on n'avait pas fait de sondage, si? Non, parce qu'on a oublié. Moi, c'est moi qui ai demandé à Barek du style. Attends, oui. On n'avait pas... Ah non, bah non. En plus, j'ai vu d'autres pages sur Facebook le faire et ça m'a même pas... moi aussi j'ai complètement zappé. Sondage where? Alors, du coup, ce que je mets, c'est une note sur 5, évidemment. Hop, puisqu'il y a 5 choix. On va rester dans les clous de Twitch. Je vous laisse quand même aller. 5 minutes, je pense que c'est très bien. Voilà.
Normalement, c'est lancé. À vous de voter. Bande de citoyens. Bande de citoyens. Citizen Tano. Non, c'est qui lui dit ça? C'est Mace Windu, non? Mace, le fils de pute, évidemment. Ça sort les mots. Ah oui, c'est ça. C'est des affaires Jedi. Ça ne vous concerne pas, citoyen, c'est ça, non? Il a dit les termes. C'est le pire, Mace Windu. C'est le pire et détestable, ce mec. Sur les votes là sur Facebook, je crois que c'est la première fois les seules fois où on a fait des votes, c'est sur Bukobo Fett, et évidemment on a oublié de faire la semaine dernière. Là, c'est la première fois où on a un vote où il y a un truc à 0%. Il y a quand même 5 sur 5, hein. Il y en a quand même 4. Moi je mettrais un 4, je crois. Moi je mettrais un 3, attends, ou 4, c'est toi. Moi je mets un 3 parce que c'était sympa sans plus. Après, par contre, le problème, je trouve, c'est que c'est peut-être le moins bon des trois, jusqu'à maintenant. Oui, ça c'est clair. Et on en parlait dans la review que vous n'avez pas encore vue, tout logiquement, évidemment. Mais on en parlait là-dedans, en disant que, vu que ça avait... alors, on n'a pas autant développé, hein, mais vu que c'était un film à la base, le projet, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire d'un film rallongé en série. Et que du coup, tu sais, par exemple, un passage comme ce qu'on a eu là cette semaine, au milieu d'un film, tu t'en fous, parce qu'après, il y a la suite. Mais cette partie un peu plus molle, on va dire, que les deux premiers, parce que là, vraiment, le deux premiers, c'est la mise en branle du truc, quoi. Ça commence fort, etc. Là, t'as l'impression que t'es un peu au milieu du film, tu vois. Où c'est pas qu'il se passe rien, mais ça se calme un peu et... ça se met en place petit à petit pour les enjeux, et puis après, t'auras l'explosion finale avec l'acte 3, quoi. Mais je crains, tu vois, que le 3 et 4 soient peut-être un petit peu en deçà à cause de ce genre de construction... de ce genre de construction-là. Je sais pas si vous partagez cet avis-là, mais... Ouais, oui, oui. Intéressant. Ça fait sens. Ça fait allusion. Bah oui, mais on voit bien la nucléarité, Yon. Ouais. Ça peut être une explication, mais c'est ça reste une série qui doit, enfin, ça reste une série qui du coup doit prendre les codes et la construction d'une série. Non, bien sûr, bien sûr. Après, ça prend les codes parce qu'il y a quand même un cliffhanger de fin. Mais du coup, sur cette explication, ça peut être une explication. Ça se trouve, c'est la vraie raison, mais je trouve pas que ce soit excusable par ça. Non, bien sûr. Après, moi, je trouve pas que ce soit un problème, tu vois, parce que même dans une série, au bout d'un moment, t'as des épisodes qui vont être un peu plus posés. Hein. Donc, ouais, à voir. Alors, je regarde un petit peu. Faut plus y penser au Grand Inquisiteur. Il y a des choses bien pires que la mort. Oublié, hein. Il faut avoir une explication quand même. Ah oui, par contre, Dracojo, en effet, la série avait été réécrite. Mais après, je pense que malgré tout, même avec les couches de réécriture, tu vois, tu dois ça avoir. Ne suffit pas. C'est ça, il doit y avoir encore pas les stigmates non plus, tu vois, mais les restes un petit peu d'une écriture plus filmique en tout cas que. Ça doit jouer, forcément c'est un média, il faut une adaptation nécessaire. Bukobo Fett, c'est aussi tiré d'un film de base, je trouve pas que ça se ressent du coup. Mais non, mais il y a du Mando au milieu. Ça devait pas être dans le film, ça. C'est vrai que ça a été. Je pense que ça a été rattaché au Mando plus, enfin au Mandoverse. Après, ouais. C'est pas impossible. Après voilà, une série c'est plus long qu'un film, c'est pas forcément le même budget, ça s'étale sur du plus long terme. Je pense que c'est une tâche quand même, non pas plus aisée mais plus différente. T'as tout dit. Donc ça doit être, c'est un changement de média qui va nécessiter une certaine nécessité, j'ai du mal à parler. une certaine accoutumance avec le temps, quoi. Va falloir qu'ils s'y mettent, quoi. Ça serait cool. Juste pour reprendre Lessa qui dit je crains rien pour le grand inquisiteur. Filoni a participé à l'écriture, mais il me semble pas qu'il est impliqué sur Kenobi. Hein. Il n'est pas crédité, mais Deborah Chow a dit qu'elle a longtemps discuté de l'histoire avec lui. Ah, d'accord. Il, temps, quoi.
Dave Filoni, et dans les crédits, il est remercié. Il y a marqué thanks to. Special thanks, etc. Ah ouais, ok. Bah, c'est special thanks. Alors, on a les résultats autant, du sondage. Autant il aime retcon les autres, autant il se retconnerait pas lui-même. Non, bah, évidemment. Non, enfin, je veux dire, ça reste Filoni. J'ai envoyé le sondage Facebook d'ailleurs. Ah, alors attends. Ah mince, attends. Tu peux pas me l'envoyer sur Messenger? Je peux te l'envoyer sur Messenger. Parce que là, en fait, sinon, je dois quitter l'affichage de la conversation. Du coup, on a 4 votes pour 4 sur 5, 4 votes pour 5 sur 5. Donc, ça fait déjà 8 votes quand même. Ça fait un petit 2 tiers des votes pour 4 et 5 sur 5. Après, 3 votes pour 3 sur 5 et 2 votes pour 2 sur 5 et aucun pour 1. Ouais, ça a l'air d'être quand même globalement apprécié quand même. Aïe, aïe, aïe. Enfin, vous avez l'air d'être plutôt positif, en tout cas sur. Et c'est d'ailleurs, c'est quasiment. C'est du coup, tu la même chose que sur Facebook. Hein. Tu analyses le truc sur Facebook, Barek, c'est ça? Ah ouais, il m'a envoyé le truc. Là, c'est en cours. Ça va arriver sous peu. Non, c'est ça. C'est le temps que je mette l'image, ça arrive. Il se nomme le Majordome de Vador, c'est Vané, avec une orthographe très drôle. C'est un. C'est avec deux E, mais l'accent sur le deuxième E. En fait, c'est Vanoué. C'est Vanoué. Voilà. Donc voilà les résultats sur Facebook avec un total de 134 votants. Et on a un petit crescendo. C'est du coup 0% pour l'1 sur 5. Personne n'a détesté l'épisode. 2% en plus, c'est quand même. Mais quand même, plus de la moitié déjà qui ont mis la note maximale. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Et love democracy. C'est quand même assez important. Donc ouais, c'est globalement un épisode très apprécié sur cet échantillon, évidemment, de 130 personnes. Mm. Si on avait été à 135, ça aurait été plus représentatif. That does bring a smile on my face. Peut-être, ouais. Bah oui, après tu peux rajouter une personne, ce sera forcément plus représentatif. C'est une loi statistique, c'est tout. Non, mais c'est intéressant parce que quand même, en tout cas dans le chat et ceux qui ont participé au vote sur Facebook ont globalement bien, voire très bien noté quand même l'épisode. Donc, oui. Ça, ouais. C'est rare que je sois dans le bas pourcentage. Ouais, parce qu'en général, c'était plutôt enfin, pas l'inverse non plus, mais un peu plus, ouais, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez aborder, puisque là on a fait un petit peu abordons ce qui gêne tout le monde, à savoir les incohérences avec l'épisode 4, enfin avec le trilogie original. Alors tiens, oui, c'est vrai que tu nous avais fait tu nous as un peu teasé une gymnastique mentale, Korsov, il va falloir donner là. Gymnastique, j'ai peut-être pas non plus choisi la meilleure expression, mais bon, c'est, je trouve que ça illustre plutôt bien, c'est genre tu t'auto-convaincs en fait que c'est bien. C'est pas incohérent. C'est pas dans 3 ans. Je répéter, finis par là, croire. Hein. J'entends rien, Filoni est un dieu. Là. Non. Alors ça, par contre, je le dirai jamais. Et Filoni, là... Je veux bien raconter des conneries. Filoni, raconter des conneries, mais j'irai pas complimenter Filoni. Oh, j'ai des limites. Alors, Korsov, vas-y. J'adore Filoni, mais je veux dire... Voilà, quoi, de la dire que c'était un dieu, j'avoue que... Non, par contre, Ewan McGregor, bref, bon. Ewan McGregor est un dieu. Ça, tout le monde le sait. Non, c'est pas un dieu, c'est Jésus. Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, d'ailleurs. Ah oui, c'est important de faire la différence, quand même. Ouais. Alors, Korsov, convainc les réfractaires. Je suis curieux. Il y aura 2-3 plombes, hein, mais je vais juste prendre quelques exemples de répliques. Objection. On en a parlé très brièvement, non, je crois que c'était le dernier live avec Tribune qui avait abordé le sujet, on était d'accord là-dessus, c'était une réplique de Return of the Jedi. Ah oui, oui. Je pense pas qu'il fasse référence à ce combat-là, mais certainement à celui qui était à venir dans la série, épisode 5 ou 6. Ouais. Obi-Wan once thought as you do, évidemment, qui est très... On n'a pas un Obi-Wan qui, du coup, qui a repris du poil de la bête, qui est prêt en découdre avec Vador dans l'épisode final de cette série, qui essaye de raisonner avant d'entamer le combat. Donc ça marcherait. Mais moi j'attends ça, hein, vraiment. Oui, ce serait cool. Je pense que c'est ce qu'on va y avoir droit, là, parce que là, pour le coup, il a absolument rien dit. Enfin, il essayait de se barrer, et puis il avait peur dans cet épisode, donc là...
Là, il n'y a pas de dialogue, on attend quand même une sorte de dialogue quand même entre les deux dans lors de leur deuxième combat. Ensuite, tu sais pas Korsov, mais il va y avoir un... Tu veux pas redevenir gentil ? Non. Bon. Obi-Wan, Monster. Tu veux pas redevenir gentil ? Non. C'est ça. Mais Anakin, arrête. Il va dire... Anakin, arrête. En fait, non. No you. trop peur pour les images, du trailer de mémoire. Je crois qu'on on a que les comment ils s'appellent les purge troopers qu'on n'a pas vu. Il manque les purge troopers. La forteresse inquisitorius qui t'a attaqué, pardon. Ouais. Bah, ça, je pense, que ça va être les mêmes plans qu'avec les purge. Mais je crois que ce sont les seuls qu'on n'a pas vu. Ouais, ouais. Attends, c'est quoi? Je vais remater la bande annonce. Vas-y, Korsov. Puis on a aussi évidemment la réplique qui pose problème, évidemment. D'un certain point de vue, elle pose complètement problème. D'un autre point de vue, ça passe un peu mieux. Ce qui est, c'est donc la réplique I've been waiting for you, Obi-Wan, we meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. You should not have come. Unleave master of evil, Darth. Pardon. C'est ça. Alors, déjà, sans parler de la réplique en elle-même, on peut parler un peu de la réaction, un peu le comportement de Obi-Wan lors de ce combat. Il a clairement pas peur, il est pas surpris. Donc évidemment, à l'époque, le film est sorti, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, mais bon, voilà, évidemment... Il est pas surpris par l'apparence de Vador. Il est surpris par l'apparence de Vador, il attaque tout de suite, il essaye pas de dialoguer avec lui, vraiment, et juste il lui dit, bah t'es devenu méchant, enfin voilà, il sait que c'est une cause perdue, et il va dans le combat pour gagner du temps et pour permettre à lui... C'est pas gentil d'être méchant. C'est ça. Tu vois, donc, c'est pas gentil d'être méchant, enfin bref, non. et donc, ça sous-entend quand même que, bah, il n'est pas surpris, en fait. Il a que son comportement, sous-entend qu'ils se sont déjà vus avant. Et puis, il a pas peur, il sait à quoi s'attendre. Il sait que ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Donc, c'est là, je parle uniquement du comportement d'Obi-Wan, hein, évidemment. Je ne parle pas de la réplique mot pour mot, là, mais juste comment il se comporte dans ce combat. Ça fait sens qu'il se soit rencontré avant et qu'il ait donc appris de ces combats-là ou de cette rencontre précédente. Et que ah là, si, j'ai trouvé un autre plan, excusez-moi. C'est le droïde Ned qui droïde fait piou-piou et qui défonce un Storm. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est on avait le plan sur le marteau à côté de sa jambe, mais on n'a pas vu celui-là. Parce qu'il projette un Storm et il se fait tirer dessus. Aussi un plan avec Lola, qu'on n'a pas vu. Où c'est un gant d'inquisiteur qui tient Lola. J'adore ce droïde. Ah ben ça va probablement être Eva vu qu'elle tient Léa. Ouais. Mm-hmm. Pardon, vas-y. Attends, ce plan-là, là, on l'a pas vu non plus, là, avec le cinquième frère et la quatrième sœur, avec l'officier impérial dans la forteresse, là. Non. On n'a pas vu d'officier impérial dans la forteresse. Non, mais il est juste avec elle, avec la quatrième, il y a le 5 et la 4. Non, mais ouais, il y a 5 plans, quoi, qu'on n'a pas vu. Pardon, du coup. Alors, Donc ce combat dans A New Hope, le combat final de la série Kenobi, c'est Obi-Wan prend l'ascendant en fait sur Vador. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de comment la série va se finir aussi. Donc on peut pas non plus débattre, avec certitude, parce que là on sait pas comment ça va se finir. Et puis voilà, on pourra en discuter plus précisément quand on verra tous les épisodes de la série, bien évidemment. Jugeons à l'aune de la série complète, quoi. Si on a donc un nouveau duel avec un Obi-Wan qui a repris du poids de la bête et qui a parlé avec Qui-Gon avant, que sais-je, et qui du coup est très prêt à en découdre et qui arrive à dominer Vador par exemple, et ben cette réplique dans l'épisode 4 peut faire sens en fait. Donc we meet again at last, the circle is now complete, I've been waiting for you. When I left you, I was the learner, now I'm the master. Enfin, ça sous-entend quand même une évolution. C'est la dernière fois, t'as réussi à me battre. J'ai attendu un rematch. Cette fois-ci, tu me battras pas, tu vois. Genre, évidemment, ça peut sous-entendre le duel de Mustafar, évidemment. Mais ça marche aussi s'ils sont vus là, d'une certaine façon, quand même. En plus, ça me fait penser, donc c'est tout à fait juste, enfin, je trouve que c'est juste ce que tu dis. Mais en plus, du point de vue de la construction de la série, ce serait logique que souvent, comme tu dis Tribune, la série, on peut la voir comme la construction d'un film, avec toujours au milieu du film, avec c'est le héros qui prend merde, plein la gueule. Ouais, c'est ça.
Et puis à la fin, t'as un rematch contre le méchant et c'est le gentil qui gagne. Bon, après là, je pense pas que ça va être une humiliation de Vador, ça m'étonnerait qu'ils aient jusque-là, mais au moins que. Il va le vaincre, il va se casser quoi. Il va le vaincre, c'est ça, que ça puisse être considéré comme une victoire sans que ce soit non plus ridicule pour Vador. Il peut, mais, par exemple. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Il peut, par exemple, je sais pas, lui couper une main. Je tente une théorie, mais imagine, il lui coupe une main et il voit qu'il y a que des câbles et des fils électriques, et après il dit à Luke, he's more machine than man now. Il le savait déjà, enfin je veux dire, il lui a coupé tous ses membres, il sait que Doku a déjà été, il lui a déjà coupé le bras, enfin je veux dire, il va pas apprendre grand chose en faisant ça. S'il a à nouveau des bras, c'est que c'est cybernétique quoi, ouais. C'est vrai, il y a pas 36 millions de solutions quoi. Je sais pas, exposer, voir plus en détail son armure s'il le fait mal, le blesse, tu vois, par exemple. Mais bon, ça c'est accessoire, je veux dire, c'est minime, mais bon voilà, c'est par rapport à ce deuxième duel, c'est ce que je disais. Donc si on a cette fois-ci un Kenobi qui domine Vador, donc il ne l'humilie pas forcément, mais qu'il met en difficulté, qu'il le coince quelque part, je sais pas, il fait tomber un bâtiment sur lui, ensuite il se barre, je dis n'importe quoi, mais c'est une façon de vaincre finalement. Donc dans ce duel de A New Hope, et bah, il a un peu la haine, Vador, il est convaincu. Enfin, pendant tout ce temps, il s'accrochait quand même à l'espoir qu'il était encore en vie, qu'il allait le revoir. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again. Cette fois-ci, tu m'auras pas comme tu m'as eu la dernière fois, tu vois, genre cette air de supériorité. Ouais, parce qu'après, évidemment... we meet again at last. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas forcément vus depuis l'épisode 3, en fait. Ouais, c'est ça, ça marche en fait. On se rencontre à nouveau, quoi. Gênant, est ce que je disais il y a longtemps, est ce que je qui n'a pas changé aujourd'hui, c'est que ça force à réinterpréter une des répliques de l'épisode 4. Ça force la réinterprétation. Bah, tu sais, The Clone Wars forçait constamment une réinterprétation de la réplique de l'épisode 3. My powers have doubled since the last time we met. Count. C'est ça. Laquelle voilà. La fois sur Geonosis, la fois sur. C'est genre... Je suis pas fan de devoir réinterpréter. La fois sur Tatooine. Oui, c'est ça, juste une interprétation comme ça, qu'une incohérence. Parce que là, pour moi, on n'a pas franchi la frontière de l'incohérence pure et dure, en fait. C'est juste, on réinterprète. Ok, on touche une réplique de A New Hope. Ça peut paraître. C'est un peu ennuyeux. Enfin, annoying, pardon. Donc, c'est un peu embêtant de faire ça. Mais, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une incohérence. Ce serait un potentiel redcon. Oui, mais ce serait un bon redcon. Un redcon pas dérangeant. Et puis on peut aussi parler de la fin de sa réplique. You should not have come back. Tu vois ? Genre, je sais pas, c'est bizarre quand même cette phrase. C'est-à-dire qu'il est déjà venu avant voir Vador. Donc, oui, avec la série Kenobi, l'histoire de son exil, et puis il le voit, et puis peut-être que le duel final, il va aller le voir volontairement, tu vois, je sais pas moi. Donc, you should not have come back, ça fait du sens aussi s'ils se sont revus entre temps. Et là, il fait référence à cette rencontre-là. Et puis, il y a aussi je reviens aussi sur ce que j'ai cité tout à l'heure, le fameux Obi-Wan once thought as you do. Voilà, donc finalement, oui, il y a des arguments contre, mais aussi une certaine façon qui fait que si tu y penses comme ça, ça marche. Et surtout qu'en plus, il y avait une opportunité manquée dans l'épisode 3 de la saga, hein, j'entends. Pour le Obi-Wan once thought as you do, justement, parce qu'il le convainc pas du tout, enfin il essaye pas de le convaincre de quoi que ce soit dans le 3 en fait. Donc jusqu'à présent j'étais convaincu que c'était une référence à ça quand je regardais Retour du Jedi, mais en discutant avec des fans sur internet je me suis rendu compte, je suis allé revoir évidemment une 150e fois le dialogue de l'épisode 3, je me dis mais à aucun moment il essaie de le raisonner, à aucun moment il lui dit Dark Lord to twist your mind. C'est lui qui dégaine son arme en premier d'ailleurs. I'll do what I must. C'est lui qui dégaine son arme en premier, tel le bon Jedi de la prélogie qu'il est. C'est ça. Seuls les Sith sont absolus. Il dit à Padmé qu'il va aller sur Mustafar lui niquer sa mère. Donc je veux dire, ça. C'est un peu ça. Son objectif, il est clair. En plus. Il veut pas négocier avec Anakin, il veut l'arrêter. Même s'il veut pas à 100%, mais oui. Yoda lui dit, il va falloir que tu ailles le buter, frère, parce que là, il est incontrôlable. Si tu y vas, d'accord. Je veux inaugurer un nouveau concept, les films racontés par Korsoff. Et là, t'as vu Obi-Wan, il rentre dans le vaisseau, parce que sinon, il va niquer sa mère à Padmé, parce que, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte. Donc, voilà, je veux dire,
dire que Obi-Wan a essayé de le convaincre comme Luke essaye de convaincre Vador dans le Retour du Jedi, qui lui dit de laisser aller dans sa colère. Dans l'épisode 5. De redevenir Anakin Skywalker. Mais à aucun moment il fait ça, Obi-Wan, je suis désolé. Alors, par contre, si dans Obi-Wan Kenobi, ils oublient de faire référence à cette réplique, ouais, là c'est alors, nul. Par contre, s'il n'y a pas de dialogue et puis il est re en mode épisode 3, je vais te niquer ta mère, là par contre, là ça va pas le faire. Non. Elle est déjà morte. Mais pardon. On pourra revoir ce dialogue sur. C'est vrai, il est sur Tatooine, c'est pas très loin. On pourra revoir ce dialogue une fois qu'on aura vu les 6 épisodes. Voilà. That's fucking Savage Opress, quoi. Il y a certaines choses qui doivent être faites à la fin de cette série, comme par exemple Obi-Wan qui retourne se cacher sur Tatooine et que tout le monde oublie à nouveau son existence, de façon à ce que même Sidious dans Rebels pense qu'il est mort, quoi. Je veux dire, il faut qu'il mette en scène sa mort et que tout le monde l'oublie, sauf Vador, en fait. Donc ça, c'est aussi important qu'il termine la série comme ça, je trouve. Mais bon, on verra, hein. On verra. Pour moi, pour l'instant, ça me convient ce qui se passe, mais si dans l'épisode final... ça, c'est pas bouclé comme ça, ça va pas le faire. La boucle est mes propos, et là, je vais être énervé. Après, par contre, c'est vrai que le truc qui est le plus casse-gueule, en fait, dans le dialogue du 4, ce serait peut-être le « I was but the learner, now I'm the master ». Ah oui, je suis d'accord, mais après, là, comme il peut tu dis... éventuellement, il peut quand même faire référence à Mustafar, en fait. Là, il fait pas forcément référence à la dernière fois qu'ils se sont vus chronologiquement, donc Kenobi. When I left you, ça veut dire oui, bien sûr, et c'est très Anakin qui l'a quitté dans l'épisode 3 en plus. C'était beaucoup dans ce sens-là. Mais c'est ça, quand il dit When I left you, c'est pas genre. C'est ça, je suis du côté obscur. Ouais. Quand je t'ai quitté, quand tu m'as abandonné et que j'étais en train de mourir. C'est moi qui t'ai quitté. Non, c'est avant même, c'est avant. Non, c'est avant, c'est quand il sombre en fait. Enfin... non, je sais, mais c'est marrant. Je vois. Lorsque j'ai mais quitté donc... la lumière. Quoi ? Cette réplique-là, c'est juste, il fait référence à Mustafar et puis au temps qui s'est écoulé depuis le premier duel de Mustafar, en mode la première fois qu'on s'est battu et maintenant, j'ai changé. J'ai changé, frère. Du coup, là, on peut vraiment dire qu'il fait allusion. Là, je pense qu'on peut dire qu'il fait allusion à Mustafar. Oui, pas forcément la dernière fois qu'ils sont vus dans Kenobi. Donc oui, évidemment, ça demande une réinterprétation des différentes sections de ce réplique-là. Mais c'est pas aussi dégueulasse que ce qu'on pouvait craindre. C'est ça. Au début, franchement, j'étais, tu pouvais pas me faire raisonner là-dessus. J'étais vraiment non. Tu essayais de me convaincre. Je disais non, ça marche pas. Je suis pas d'accord. Mais en fait, tu reprends chaque section et puis tu les replaces dans ce contexte-là. Tu te rends compte que ça peut marcher, c'est juste que il faut accepter de réinterpréter une réplique que tu connais depuis que t'es gamin et que t'as jamais interprété comme ça. Donc oui, c'est ça qui est gênant. Mais avec le temps, ça va le faire. Voilà. Et je répète, je suis désolé. Avec le temps, comme dirait l'autre. C'est ça. Du coup, je maintiens. Si ça se trouve, ce sera un meilleur retcon que les 300 confrontations Anakin Dooku de la guerre des clones. Donc, ce sera pas pire que ça. Obi-Wan Grievous. Ah oui, avec le j'ai été formé aux arts Jedi. Ouais, Obi-Wan Grievous, ouais. Je le sais. Ça fait 10 fois qu'on se tape dessus. Au bout d'un moment, j'ai compris. Non, par contre, à la limite, ce qu'ils auraient pu faire dans un sabre laser. C'est ça. Ce qu'ils auraient pu faire dans The Clone Wars, à la limite, c'est qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils disent ça, c'est du style, mais... ça, ouais, c'est un running gag. Ouais, c'est ça, genre... Mais je t'ai formé aux arts... Ta gueule. Filoni a été c'est extrêmement... C'est la troisième fois en deux épisodes, arrête. Filoni a été très, très... Enfin, il est très assidu dans l'idée de ne jamais se faire rencontrer Anakin et Grievous par rapport à cette vraiment, réplique du 3. Il aurait pu faire la même chose pour cette réplique de Grievous. Non, pour le coup, Grievous et Obi-Wan auraient pu se rencontrer sans s'affronter. Oui. Ou ça, oui. Parce que genre, Anakin, ils ont déjà sont... se connaître dans l'épisode 3, mais pas forcément s'être déjà affronté. Le négociateur. Ouais. General Kenobi. Bref, ouais, c'est vrai We've que... We've been waiting for you. Ça sous-entend, là, pareil, ouais, il y a pas ça... de qui sont vus avant. Ça fait allusion. Encore une fois, ça fait allusion. Oh. Ça a quand même permis d'avoir un Hello There de la part de Grievous dans The Clone Wars. C'est vrai que... Ouais, le Hello There dans The Clone Wars, il est magique. Hein, franchement. Et c'est le premier Hello There. C'est Grievous qui a sorti le premier Hello There. En fait, chronologiquement.
Et Obi-Wan, il a juste volé cette punchline et il le dit dans le 3 et dans le 4. Et en fait, tu sais pas, mais il voulait initier un duel avec R2 dans le 4. C'est ça le truc. Tu fais « Hello there, come here my little friend, don't be afraid ». Yoda lui a volé cette opportunité. C'est ça. Donc voilà, donc moi je suis quand même assez, enfin voilà, je suis moins pessimiste qu'avant. Mais regardez ce magnifique plan sur Anakin, bordel, pardon. mon discours repose vachement sur la fin de cette série. Voilà, comment est-ce qu'ils vont clore cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer dans leur La dernière fois qu'on a fait ça, ça s'est mal passé. Donc, oui, c'est-à-dire. Ah oui. mais espérons que, parce que là du coup, je comprends pour les ce que tu dis, mais il y a un potentiel du coup. Ouais, il y a donc, potentiel. Ça pas gâché. Attends, parce que j'ai pas saisi, c'est par rapport au HUD dans Book of Boba Fett, c'est ça? Non, par rapport à Book of Boba Fett, on dit non, mais on espère dans le dernier épisode ça va être mieux. Ah oui, mais là c'est globalement. Ouais. Parce que là c'est sur un point précis qu'il faut pas qu'il rate et c'est un truc accessoire. Ouais, c'est ça. Entre guillemets. Bon, le truc qui va rater. C'est un point précis sur Boba, c'est le scénario. Oh là là, hey, regarde le chat, Korsoff. Korsoff m'a convaincu. Korsoff m'a. Non, mais tu. Je vais pas regarder Twitch. Ah, ok, bon, cool. Tant mieux. J'avais pas que tu m'as convaincu à 100%, mais c'est, je prends les arguments. Après, s'ils font ça, ça se tient. Non, mais ce que je dis, hein, s'ils respectent ça dans l'épisode final et qu'il y a ce que j'ai évoqué dans l'épisode final et que ça se clôt bien, en fait, l'histoire, eh ben, ce sera bon, ça passe, allez. Ouais, mais si c'est pas fait correctement. Et bah tout ce que je viens de dire là, je reviendrai sur mes propos, je serai de nouveau. Sachant qu'on a toujours le payoff du jouet qui devrait arriver. Ah mais ça sera dans le 6 ça aussi. Bien sûr. Le payoff. Mais du coup, il faut justifier que Owen l'accepte. Le Skywalker, le jouet. Ah, le T16. Il faut justifier que Owen l'accepte parce que tel que c'est parti, il va pas bouger. Hein. Mm-hmm. En fait, il va le smuggle dans les affaires de Luke. Il va le glisser dans un sac. Ouais, mais après, il va l'enlever aussi si facilement que la dernière fois. Hein. Et puis, bon, il y a aussi une autre réplique quand il dit « I sense a presence. Presence I have not felt since... » Trois petits points. Bon. Since Mapuzo. Since, il y a 9 ans. 9 ans, c'est long quand même. Donc, c'est bon, beaucoup 9 ans. Since Mustafa. Mais tu sais que c'était... Est-ce que c'était intentionnel ou pas? J'en sais rien. Mais dans le jeu Lego Star Wars, tu sais, c'est un peu une blague à ce moment-là, c'est avec Vader qui fait I haven't felt since. Oui. Since. Not that time, no. Ça dure longtemps en plus. Mais oui. C'est-à-dire pendant plusieurs scènes, jusqu'à ce qu'il le rencontre. Il fait même son sport du style. Ah, I knew it. C'est ça. C'était complètement con, mais. Je sais pas si c'est fait exprès par rapport à la série, mais bon. Parce que là. Alors, ouais. Dracojo qui propose, on refait une nouvelle version du film en remplaçant les répliques de Vador par la dernière fois que je vous ai laissé. Enfin, non, pas la dernière fois. Enfin, bon, merde. On se comprend, non? Hello there. Ça, c'est... Ouais, la dernière fois. Non, pas. Ah oh, merde. Je vous ai laissé. Attention, la nuance est là. When I left you. C'est pas when I saw you. Attention. Mais voilà. Mais après, on peut parler d'autres choses dans cet épisode-là. Et, oui, et l'apparition d'Anakin dans le désert, là. L'hallucination d'Obi-Wan. On voit bien Hayden sous sa capuche. Sauf que moi, je veux voir Hayden de bien plus près, si ça le dérange pas. Oui, putain, c'est ça. C'est un... On sait tous que George Lucas déteste les gros plans, mais là, il s'agirait d'en faire. C'est vrai. Non, mais là, c'est un peu un teasing. Hein, parce que je pense que, voilà, ils nous mettent ça. C'est un avant-goût. Et puis qu'on verra Hayden de plus près dans la suite. Là. Pendant que, je sais pas, moi, ils mettent Obi-Wan dans une cuve Bacta. Et puis ils se mettent à rêver comme Boba. En fait, tout le monde va être dans une cuve à Bacta. Le grand inquisiteur. Obi-Wan Kenobi. Boba Fett aussi. Il va avoir des flashbacks de l'attaque du temple aussi quand il a ouvert les portes à Anakin. C'est un peu ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de morts pendant l'autre épisode, parce que le Bacta n'était pas encore vraiment au point. Ouais. ça commençait à peine, hein, je crois, c'est ça. C'est le Rejuve. Il y a le Rejuve, mais il n'y a pas encore le Bacta. Oui. C'est vraiment les balbutiements du Bacta. Ça commence à être sur le marché. Bah, surtout qu'en plus, c'est cultivé sur Edzal, je crois, une connerie comme ça, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Déjà, ce qui se passe dans les premières œuvres, ça met un gros coup à la production qui était déjà pas énorme. Commence sur Edsel, ouais. J'ai mais kiffé le Storm qui s'est fait découper par la porte laser, nous dit Valen Moll. Ça, c'était immonde.
C'est-à-dire que dans Battlefront 2, c'est juste pour un tout petit peu de dégâts quand t'es collé dessus. C'était étonnamment violent ce qui se passait dans cet épisode. Ouais, c'est surprenant. Ça fait longtemps que Star Wars n'a pas été aussi violent, je pense, personnellement. Donc, ouais, c'est... Ouais, ils osent. Surtout le gamin qui se fait casser le cou. J'étais en mode, what? Ouais, c'est fou. Ça, c'était chaud, quand même. Cette personne revient du côté lumineux. Non, mais attends, tout ce que fait Vader de partout... Le personnage est pardonné. Il est toujours violent, dans les comics, dans les romans, ce que tu veux. Mais là, en live action, voir ça, c'est pas rien. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça fait bizarre de le voir vraiment comme ça. C'est pas contre des soldats armés, tout ça. Oui, parce que dans Rogue One, au moins, tu te dis c'est une armée en face, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ça, c'est des rebelles. De son point de vue, c'est des terroristes. Enfin, voilà. Là, c'est juste des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Ouais, mais il y a un but. Mais il y a un but. Mais après, est-ce qu'il y a pas. Enfin, parce que un truc à ne pas oublier avec Vador, c'est que ouais, il est méchant, tout ça, mais au bout d'un moment, il revient. Est-ce que tu crois vraiment. Enfin, disons qu'avec tout ça, j'ai du mal à croire que vraiment il revient et que tout le monde est là. Ah, mais très bien, il est revenu. Il revient, mais c'est super longtemps avant. C'est 12 ans après ça qu'il revient. Non, mais je sais, mais enfin, je veux dire, après, il est pardonné, tout ça, pardonné de tout ce qu'il a fait juste pour avoir. Oui, ça a toujours été un peu bizarre comme réaction. Ouais, mais justement, là, pas tant que ça, parce qu'il remplit son rôle d'élu en plus. Donc bon. Oui, c'est ça. Si tu parles du côté Force Ghost, hein, je trouve toujours que c'est totalement bullshit. Mais après, il est. Oui, je suis d'accord. C'est que sur ça, parce qu'après, il a jamais été pardonné par personne. Enfin, suffit de voir dans le roman Lien du Sang. C'est un petit peu chié dessus à cause de la réputation de Vador. À cette période-là, Vador. Mais après, il a mérité sa réputation quand même. Ah oui, c'est ça. Mais en dehors du Force Ghost, ça me dérange pas du tout. Cette période temporelle. Le fait que Obi-Wan et Yoda sont tranquilles. Ah bah enfin, tu es là, on t'attendait. Vraiment, on n'a pas du tout, genre tout à l'heure dans le film, demandé à Luke de te tuer sans se poser de questions. Enfin, jamais. C'est bizarre. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas dans le film. Ça en fait partie. Ouais. Non, mais moi je suis pas d'accord parce que ça me dérange pas, moi, le retour en Force Ghost. Parce que le temps qu'ils reviennent en Force Ghost, ça me dérange pas, mais que les autres sont là, ah bah voilà, enfin, on t'attendait vraiment que tu reviennes et tout, waouh. Ah ouais, mais bon, il faut bien aussi. Ouais. Parce que je suis d'accord, c'est pas gentil d'être méchant, quoi. Il y a des raisons particulières à son revirement, quoi. Donc, Que le côté Force Ghost soit un peu plus développé et peut-être que ça se fera via Qui-Gon dans la série, mais justement peut-être pour via Anakin un dans peu un plus Soka. De règles sur ce côté. Je suis sûr que j'ai vraiment envie qu'il y ait des règles là-dessus parce que. Mais c'est du coup par rapport qu'il y ait des règles parce non plus. Il n'y a pas de règles avec la Force en général. Ouais, mais en fait, tu vois. Il faut éviter d'en faire de la magie dure alors que ça n'en est pas, quoi. Exactement. Il y a plusieurs concepts de la Force où j'ai pas du tout envie qu'ils soient développés et que ça mette des règles plus précises que ce qu'on a déjà. Par exemple, le monde entre les mondes, j'ai kiffé, mais j'ai pas envie de le revoir. Sur des trucs comme ça avec le Force Ghost, à cause d'Anakin du 6, j'ai envie d'avoir un peu plus d'explications. En fait, le seul vrai problème de tout ça, et qui ça aurait pu être évité extrêmement facilement, c'est si Qui-Gon à sa mort avait disparu. Là, et t'évites tous les problèmes. Parce que c'est juste quand tu meurs en tant que vrai Jedi, l'ordre à ce moment-là est complètement corrompu. C'est un peu spécial avec Qui-Gon parce que lui ne peut pas se manifester physiquement. Non, mais je sais, il a raison, parle de modifier de l'épisode 1. Donc, je suis assez d'accord avec toi. La formation était incomplète à Qui-Gon pour le coup. Oui, non, mais ça, d'accord, c'est la justification d'après. Ça arrive après, mais. Mais à la limite, je trouve ça pas si con ça, là, en vrai. Ouais. Si tous les Jedi, genre de l'après-lo, ne mouraient pas comme ça, mais que seul Qui-Gon le faisait. Non, pas tous. Ce serait bien. Justement, Qui-Gon, par exemple, ou Windu notamment, c'est quelqu'un qui mourrait pas comme ça, tu vois. Non, il deviendrait encore plus solide, tu vois. Carrément, même. Exactement. Mais il est pas mort, Windu, qu'est-ce que vous dites? Oh non, ça va, hein. Arrêtez vos conneries, hein. Les gueules. Mais lui, bien, par contre, faites le test. Si Windu, il revient. Non. Là, ça va être très dur pour moi. Je vais être extrêmement dégoûté. Si Windu revient, c'est honteux. Je quitte la tribune de Coruscant. C'est bien. Tu quittes Trash aussi, au passage. Tu quittes Trash, c'est marrant parce ça que. Ça fait allusion.
Mais ouais, non, mais. J'ai rajouté son cousin. Beau aussi. Travail. Mmh. Beau travail. Et bonne soirée, enfin, vous voyez qui c'est, son cousin, évidemment. Mais oui, c'est clair. Bah, évidemment. Évidemment. Bien sûr. T'as de plus en plus de sons dans ta soundboard, là, c'est bien. J'en suis à 20 pour les là-bas dans les étoiles. Tout va bien. Et 33 pour autre chose. Pour les piou-piou, ouais, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Je suis en train de reprendre l'épisode, notamment... Ouais. Vas-y, vas-y. On en a parlé vite fait, mais je ne sais pas si vous voulez en discuter plus, Quinlan Vos. Ah oui, mais on en parlera après. Ah, mais on peut parler de diapo de référence, si vous voulez. Ah oui, il y a ça, oui. Bah, allons-y. Tu veux qu'on mette ça? Allez. Bah, allez. Attention, ça marque la fin, en général. Et oui, non, après, on peut toujours diverger. Oui, mais pas trop tard. Putain. Alors, commençons par... Il y en a parmi nous qui ont besoin de dormir. Ouais. Bah, moi aussi. J'ai beaucoup d'articles à cœur. Tout le monde a besoin de dormir. Je sais pas si c'est une référence volontaire, mais ça reste un parallèle de réplique. Parce que lorsque Leia demande à Obi-Wan d'utiliser de la force pour sortir de la route commerciale empruntée par le vaisseau, Obi-Wan lui répond que ça fonctionne pas comme ça, la force. Et, c'est faux, il aurait pu passer en hyperespace avec la force. Et ouais. Et c'est la même réplique que fait Han Solo à Finn dans la Revue de la Force, à un mot près, enfin, entre la Force et It. Moi, je pense que c'était une référence vraiment intentionnelle. Voilà. J'avoue que j'y ai pensé direct. Genre. Mais et avant qu'il le dise, je me suis dit ce serait drôle s'il disait le It's not how the Force works. Avec le même ton, mais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Alors, c'est pas en référence directement à ça, mais c'est dans la même scène de la série Obi-Wan Kenobi. C'est la façon, enfin, le parallèle de la façon dont B-1 explique la force entre Leia et Luke. Où tu vois que dans la série, on a Obi-Wan tellement déprimé qu'il explique en une phrase, mais d'une manière tellement dépressive. Oui. Alors que dans l'épisode 4, il développe bien en expliquant bien plus. Ici, c'est juste, en fait, la force, c'est de la lumière dans l'obscurité, quoi. T'as peur dans c'est le noir. C'est extrêmement pessimiste. La lumière, c'est bien. Peur dans le noir. Ouais. Arrête. Mais elle est superbe, cette réplique, par contre, je trouve. Mais c'est l'écrit encore une fois. En fait, c'est un peu la première fois qu'on a vraiment une description de, enfin, comment ça fait en fait la force concrètement. Alors, on va parler de la discussion que vous avez sur le chat avec YJ et Lessa. Ouais, non, que tu navigues en fait quand tu vas dans la dimension de l'hyperespace et qu'elle sent en fait les chemins. Par contre, moi, je pensais que par contre, un truc qui marche, c'est les loups sur Lothal qui traversent la planète en hyperespace. Hein. Non, mais l'hyperespace, de toute façon, est lié à la force. C'est l'hypo-espace, celui-là. Parce qu'ils vont en dessous. Oui. Pas con. J'avais pensé au loup quand tu l'as dit. D'ailleurs, en parlant de Path. C'était dans un vaisseau. Là. J'ai rien dit, j'ai entendu. Allez, diapo suivante. Allez. Justement, tiens. Mais c'est justement la diapo suivante. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur celle-là. Oh. Alors, déjà, on a ce nouveau personnage dont on supposait le destin simplement. Mon Dieu, avec le Deezer, ce personnage interprété par Indira Varma, qui est Tala Durit, présente à Obi-Wan le lieu où il se cache, qui est nommé en anglais le Path. En français, il a été traduit par le passage. Et ce système consiste à cacher des personnes recherchées et à trouver un bon moyen de les envoyer en lieu sûr. C'est d'ailleurs une petite inspiration historique dans les âges sombres de l'esclavage aux États-Unis, où en fait étaient organisés à cette époque des passages vers le Canada. Ah oui, dans les souterrains. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le parallèle avec un petit moment historique des États-Unis. C'est assez sympathique. Oui. Et pour retourner à Star Wars. Le passage que propose Tala mène vers Jabim, qui est une planète qui est déjà été mentionnée dans le canon. C'est pas une canonisation pour en parler, qui est bien plus développée dans le légende, où Obi-Wan avait d'ailleurs mené une grande bataille durant la guerre des clones. Et dans laquelle il est mort. J'ai une relation extrêmement intime avec cette planète, parce que c'est les premières œuvres littéraires que j'ai achetées. Star Wars, c'est les BD Dark Horse. C'est un peu la même en plus.
Alors... C'est vraiment les premiers trucs littéraires ouais. à que j'ai acheté. Et c'est ça, cette BD, c'est littéralement celle que j'ai le plus lue, je pense, de ma vie. Je l'ai, ça, c'est le tome 3, je crois. La bataille de Jabim, ouais, c'est, ouais, ouais, c'est sur le 3. Ouais. Et à chaque fois que je savais pas quoi faire, je lisais la bataille de Jabim. Et la bataille et de coup, Camino aussi. Avec le mensonge de Quinlan Vos et Jabim, ouais. J'étais aux anges, quoi. C'est mon enfance, en fait. Et d'ailleurs, pendant cette bataille-là, je sais pas si vous avez entendu, mais il... toi, tu le sais, Korsov. Et toi aussi. Mais il meurt, Obi-Wan. Enfin, il meurt. Oui. Il meurt, oui. Il meurt. Comme le Grand Droid. Inquisiteur, à peu près, tu vois. Comme il meurt dans The Clone Wars. Et quand ça, le Grand Inquisiteur. Et quelle mort, exactement. Pendant cette période-là, qui fait suite à la bataille de Jabim, c'est Ki-Adi-Mundi, de mémoire, qui devient le maître temporaire d'Anakin, d'ailleurs. Oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Excellente bataille pour le coup. Et avec des AT-AT en plus. Bref. Ouais, ça avait, ça, je me semble que dans le canon, ça avait. Enfin, dans le canon. Dans le légende. Oh ça avait un peu foutu la merde aussi le fait qu'il y ait des AT-AT cette bataille. Je sais plus. Il y avait une contradiction, je me souviens. Mais bon. Moi, personnellement, ça m'avait jamais gêné. Ils étaient pas pareils. Hein. C'était pas les mêmes modèles en vrai. Donc bon. Tu peux toujours ouais. justifier en disant ouais. oui, mais bon. Ouais, mais par contre, genre, tu les vois dans aucune autre bataille, je crois, dans l'univers légende, ces AT-AT là. Du non. coup, la République, ils les ont construits exclusivement pour la bataille de Jabim. Exclusivement pour le tome 3. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu stupide. Mais... Et on a aussi une jolie photo à droite, enfin un joli dessin. Un dessin. Parce que comme vous l'avez évoqué, le mot anglais passe pourrait être une référence au Nil de la Haute République, qui utilisait justement des passes pour voyager dans la galaxie en dehors des routes hyperspatiales connues. Et alors... du coup, si jamais c'est une référence, il y a un problème en VF. C'est-à-dire qu'en France, ouais, les passes de la Haute République ont été traduites par sentier. Et dans Obi-Wan Kenobi, les passes ont été traduites par passage. Un problème en VF, ça c'est vrai tout le temps. C'est... non mais voilà. Mais si jamais c'est une référence, c'est pas clairement dit. Donc peut-être, mais voilà. Mais si c'est le cas, du coup, en VF, il y a une couille. Entre Sentier et Passage, qui sont toutes les deux des traductions cohérentes dans les contextes de chacun. Ouais. Mais voilà, il pourrait y avoir un petit souci. Et d'ailleurs aussi, petite théorie, ce côté de Passage tel quel dans la série Obi-Wan Kenobi, ça pourrait être d'ailleurs réutilisé pour l'Alliance Rebelle et la Résistance, peut-être, pour, oui. créer des groupes. Et un petit peu de la même manière que pendant l'esclavage aux États-Unis, avec des connexions entre du coup des zones ouais, sans l'Empire quoi. Ouais c'est ça, enfin des safe zones et des zones où c'est un peu plus chaud quoi. Non, ce serait pas con. Ouais. Du coup des passages, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être réutilisé, peut-être dans Andor, ça aurait tout son sens. Ou est-ce qu'on pourrait voir ça dans voilà. Jedi Survivor? Dans Jedi Survivor, ouais, ça pourrait être aussi tout à fait cohérent. Si jamais on... Ça se passe à la même date. Et donc ouais. On a ces... Oui, exactement. Dans Fallen Order, on était très restreint sur la fuite de Cal, mais peut-être Survivor a peut-être plus s'élargir, peut-être voir des cellules ça rebelles. Ça m'a l'air évident qu'on va voir tout ça. Effectivement, tout on nous dit que le pass aboutit à Jabim, donc on a de fortes chances de voir Jabim dans le prochain épisode, j'imagine. Bah, ils y vont en tout cas, le dire. Paul serait dans Survivor. Ce serait, oui, il y a une rumeur comme quoi. Qui ça? Ça met. Maul. Maul? Ouais. Ouais. Ah, c'est une théorie que j'avais depuis le premier jeu. C'est un développement de Maul entre Solo et Rebels, moi je dis oui. Hein. Ouais, c'est clair. Je l'attends. Moi j'attends qu'on bloque Maul sur Malachor en tant que Cal. Parce que ça, mais pour vous, depuis le et du coup, Cal est le ça ferait de lui le possesseur légitime du Darksaber. Et voilà, bonne soirée. Encore un, encore un. Non, not again. Pour battu, hein. Je pense pas qu'il est battu. Je pense que Cal aura jamais le niveau pour battre Maul. Par contre, et donc ce serait absolument incroyable qu'on voit Jabim dans le prochain épisode. Oh, bah, on s'étonnerait. Imaginez, on voit Quinlan dans le prochain épisode. Mais ils y vont, hein. Ils y vont sur Jabim, elle le dit. Mais imaginez Quinlan sur Jabim. Elle le dit.
Elle le dit à la fin, allez, on se casse sur Jabim, machine. Là, ouais, tu peux, bah, pas se casser sur Jabim. Du rite, je sais pas quoi là. Parce que je pensais justement que qu'ils allaient pas y aller vu que bah, Leia est arrêtée par la sœur. Oui, mais sauf que du coup, le pilote, il était censé l'amener sur Alderaan, c'est ce qu'il lui dit. Oui. Oui, oui. De toute façon, Obi-Wan va pas être d'accord pour aller sur Jabim, il a du travail sur Tatooine. Oui, mais là, il est pas en état. Non, mais je pense que pour cette mission-là, il va faire de la place dans sa tête. Je recherche la scène, attendez. À voir. Et donc, pour la suite, bah, je sais pas si on évoquera les théories de l'épisode, des épisodes suivants plus tard. Ok. Bah, si tu peux passer à celle d'après. Les survivants. Ah oui, bien. Ouais, on va rester globalement dans la même scène, mais là, il y a eu plein d'inscriptions en orbèche sur les murs. Je pense que cette diapo... Ça fait allusion. Au jeu Survivor. beaucoup de canonisation dans cette scène, puisqu'on a pas mal de mentions du coup de personnages. Tout d'abord avec Valin Halcyon. Dans le Legion, Valin Halcyon, c'était un Jedi qui a survécu à l'ordre 66 et qui a changé son nom pour devenir Hal Horn. Et ça fait beaucoup de trucs avec Coran Horn. Ouais, et qui est devenu membre de la sécurité corélienne. Encore Corellia, encore un Horn. Ah là là. Imaginez, on a Coran Horn dans le film Rogue Squadron. Oh. C'est complètement pas con ce que tu dis, tu sais. Trop vieux. Ah. Tu parles de quel film ? Ça me dit rien ce titre. Rouge Squadron, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est le Rouge One. Rouge One, ouais. Ensuite, on a Jyn Altis, qui était dans l'univers légende un maître Jedi à la tête d'une secte nommée les Jedi Altisiens, si je dis pas de bêtises. On les voit d'ailleurs dans un roman The Clone Wars, ils ont été repris. C'est celui de Travis, le troisième. Okay. C'est pas de prisonnier, je crois, non ? C'est ça ? Un truc comme ça. Oui, ça me dit quelque chose quand j'ai regardé sur Wikipédia, effectivement. The Clone Wars, No Prisoners. Ouais, ça, je me rappelle de No Prisoners. Et du coup, les Jedi Altisiens, c'était une faction divisée de Jedi qui ne suivait pas le Haut Conseil, mais qui continuait à servir la République. Oui. D'ailleurs, il était pas bien, ce roman, mais bref. On a la mention de Doom. Qui pourrait logiquement ressembler à Caleb Doom, plus connu sous le nom de Kanan Jarrus, qui semble être lui aussi passé par là, après ses aventures dans The Bad Batch, à voir comment ça se cale par rapport aux deux tomes Kanan. J'ai hésité à dire après ses aventures dans la BD Kanan, mais bon, comme elle n'est plus canon. Alors, j'ai la réplique de fin, tiens, si ça vous intéresse. Oui. Ta machine qui dit « Ready the transport, we have to get him to Jabim ». Ouais. Voilà. Très bien. Bon, bah on verra. Et là, Obi-Wan, pendant ce temps-là, il fait... en gros. Hein. Et sur Caleb, vu que c'est une inscription sur un mur, on ne sait pas quand ça a été fait. Voilà, ça peut se placer avant, pendant ou après. Enfin, par rapport au comics, ça reste quand même très très vague. Mm. Au comics, et puis aussi, il faut pas oublier A New Dawn. Oui, ça se passe forcément avant ça, ouais. Bah, de toute façon, A New Dawn, c'est bien d'après la série Obi-Wan Kenobi. Bien sûr, mais il me semble qu'il il s'est rapidement séparé de tout ça, Kanan. Ouais, ça devait être... Et si je dis pas de bêtises, dans le tome 2 de... C'est pas le tome 2 de Kanan qui se termine sur le fait qu'il prend un autre nom ? Parce que justement, son nom est inspiré de... C'est dans de le premier, ça, non ? Il a aidé, c'est dans le premier, je sais plus. Oui, parce que le 2, il se passe même avant encore. Ah oui, c'est ça. Oui, mais du coup, chronologiquement, c'est les derniers événements dans les comics canon. Où il prend... c'est Jarrus qui est inspiré... parce que je sais plus comment s'appelle l'autre. C'est un truc qui ressemble à Jarrus. C'est pas Casmur ou un truc... Ah merde. Oui, non, mais je vois lequel c'est, là, l'espèce d'alien dégueulasse, là. Ouais. Ah ouais, mais ouais, c'est ça. Je vais te le trouver, si tu veux. Ouais, c'est Casimir, non ? Un truc comme ça ? Casimir.
Casimir. Non, que... vas-y, venu oh, le temps. de purger des gens, tu vois. Casimir, ouais, c'est ça. C'est quoi son famille? Attends. Là, je ne pensais à Janus Casimir. Janus, voilà, ça, ouais, c'est ça. C'est ouais, Janus Casimir, c'est devenu. Canan Jarus. Canan Jarus, ouais, c'est ça. T'as quelques lettres qui sont inversées. Heureusement que c'est aucun pas Jaspire Lanus. Hein, parce... Non, pardon. Bon, aucun rapport avec vos discussions actuelles, mais imaginez oui. La scène où t'as Vador qui rentre en scène dans le village et qui tue des innocents. Là, vous mettez la musique de Star Wars Décon. Vador. Il est vraiment très méchant. Tuer des enfants. De répandre la mort. Ça, j'adore brûler des gens. C'est ça, en fait, ça marche. Atoll. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Alors ensuite... Ensuite, on a Rokanda Ismaren, qui était une initiée Jedi, qui avait survécu à l'ordre 66, donc elle était très jeune dans le légende au moment où elle a survécu. Là, encore une fois, toujours sur la canonisation. C'est et la canonisation logique, hein, parce que c'est les bonnes époques en plus. Hein. Donc, ouais, c'est les bonnes époques. Elle s'était faite capturer par des inquisiteurs, mais du coup les inquisiteurs légendes, et elle était même devenue main de l'empereur. Voilà. Et enfin, voilà, nous avons la confirmation, là au moins on est sûr, que Queen Latvos a survécu à l'ère 66. Donc la scène coupée de l'épisode 3, c'est sûr qu'elle a failli. C'est beaucoup trop violente. Après, on avait quand même son nom sur la liste des Jedi survivants dans le. Oui, je sais, mais bon, là au moins c'est sûr. Et comme tu me l'avais fait remarquer juste avant qu'on commence le live, même précisé par le personnage de Tala que Quillan Voss a participé activement à récupérer, c'était des enfants, je crois qu'elle dit. Des younglings, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup. Qu'il aide encore au moment présent, c'est ça. Qui a encore en vie. Donc, contrairement à tous les autres personnages où ce sont des inscriptions, c'est-à-dire que c'est forcément dans les 10 ans entre l'Ordre 66 et la série, mais on ne sait pas quand précisément. Là, au moins qu'une advoce, on sait qu'au moment de la série, c'est sûr qu'il est là. Puis il est encore actif. C'est ça. Tous les autres, ils auraient pu marquer leur nom, mais ils sont peut-être morts depuis. C'est pas impossible. J'ai vu passer un truc il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Il faudrait retrouver le moment dans l'épisode. Mais il y en a certains qui ont remarqué que sur un des murs, il y avait marqué « For light and life ». Oui, oui. « For life and light ». Je crois qu'il avait inversé. Mais bon, c'est un détail. Ah, ça peut être cool, ça. Parce que du coup, ceux qui ne savent pas dans le chat, c'est une phrase qui revient très souvent dans la République. C'est le slogan des Jedi. Des Jedi, ouais. Le slogan. « For the Republic ». « For the Republic ». Non. Parce que ça, c'est les Jedi corrompus. Les Jedi de merde. C'est ça. C'est Mace Windu. Et c'est mais la phrase de la République, c'est « Nous sommes tous la République » pendant l'autre République. We are all the Ça fait beaucoup de République. Exactement. Et alors, je serais super chaud de voir un Quillen Voss live. Et ça pourrait être super sympa. Ce serait sa deuxième apparition en live. Oui, j'ai parlé d'un épisode 1. Deuxième, pas sa première. Et ça pourrait être cool qu'il fasse des références au roman Sombre Apprenti, qui nous parle un petit peu de l'amiral Enigma, des trucs comme ça. Ouais. Ce serait bien ça. Ouais. Après, est-ce que ça aurait sa place dans la série Ben Kenobi? Du tout. Je pense que ça pourrait l'être, surtout que Obi-Wan et Quinlan ont déjà eu. Ouais, c'est ça. Enfin, ils ont déjà eu. Ils ont déjà eu des connexions. Donc, Est-ce que ça marcherait s'il apparaît mais qu'il meurt dans la série? S'il apparaît, mais quoi? Mais qu'il meurt dans la série en fait. Bah pourquoi pas? Hein. S'il apparaît et qu'il meurt dans la série. Non, c'est non! Il y avait un début de cri de Yoda là, c'était excellent. Le misclic. Non, mais ça rendait bien en fait, ça le plaît. Ça rendait très bien. Super bien, ça rendait. Genre le. C'est non! Il y a un dit excellent qui s'appelle Perfectly Cut Screams. Oui. Et genre, dès que le cri commence, bam, la vidéo elle s'arrête. Il n'y a que des vidéos comme ça, mais ça me fume. Ouais, c'est exactement ça. Mais ouais, dans cette scène avec les gravures, et après on a aussi une gravure du symbole Jedi, et puis t'as Reva qui le touche, et puis t'as. Je sais pas, sa réaction elle est quand même particulière. Et je crois que je commence un peu à.
à comprendre. Et puis elle jette un objet à travers la pièce, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle fait un table flip là. Mais oui, mais c'est pour montrer que c'est un méchant, c'est comme Kylo. Non, justement une fragilité en fait. J'ai l'impression qu'elle a une sorte de regret par rapport à ce qui s'est passé et que, je sais pas, elle compense pour quelque chose et du coup elle est c'est très, pas clair hein, sa psychologie. Ouais. Surréagit un peu dans la masse. Ça fait comme Kylo du coup, c'est bien ce que je dis. Exactement. C'est surréagir sur la violence parce que on est totalement indécis. Exactement. Et peut-être juste paumé en fait, c'est tout. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est le premier moment de faiblesse de Reva qu'on a. C'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que peut-être qu'on allait avoir un peu comme Kylo quoi. Rédemption de Reva, je n'espère pas. Ça ferait redites de Fallen Order. Trop de rédemption. Redites de tout. Redites de tout, ouais, j'avoue. Bah, côté. Enfin, oui, enfin, je pensais côté inquisiteur surtout. Je pense qu'elle il y a quand même de fortes chances qu'elle redevienne gentille et qu'elle meure juste après, tuée par Vador par exemple. Et ce sera exactement comme Fallen Order. Quoi. Ouais, c'est ça. En plus, si en plus elle se fait tuer par Vador juste après sa rédemption, c'est une mauvaise idée en soi, mais bon, c'est déjà vu quoi. Ah, par contre, c'est sûr qu'elle meurt à la fin. Hein. Pas vu ça. Oh, putain. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'est sûr qu'elle meurt à la fin, par contre, hein, comme dit Volker. Il a jamais vu ça, du coup, ce sera cool pour le grand public. C'est le grand inquisiteur. C'est pas sûr à 100%. Je pense qu'elle va mourir, mais c'est pas sûr à 100%. Elle peut toujours apparaître dans une autre œuvre. J'y crois à 100% qu'elle va pas survivre à la série. Mais oui. Vu le taux de survie des inquisiteurs. Et là, petit caméo, la huitième sœur qui n'est pas morte dans Fallen Order qui revient. La 9e sœur, tu veux dire. 9e. Ah oui, la 9e, pardon. Ce serait incroyable. Je me confonds, vous demandant les chiffres. Là. Un gros alien avec des grosses cornes sous le menton, on a trop de budget. Ils en ont fait un en live et il a pas bougé son cul du fauteuil. Parce que c'est trop cher. Oui. Non, c'est trop de budget pour animer un alien comme ça en effet pratique, alors en image de synthèse. Je pense pas qu'ils auront le courage. Enfin, je sais pas. Mais quelque chose me dit que c'est pas le genre. Peut-être qu'en image de synthèse, justement, ça coûte moins. Imagine la Haute République en live, justement, avec un Dawoodin. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ça pourrait être bien. Mais bref. On aura une série animée déjà. Ça m'étonnerait qu'on voit de la violence comme ça dans cette série animée. Oh, c'est vrai. J'ai cru comprendre que c'était pour les enfants. De quelle violence tu parles? J'ai déconnecté à un moment. De la Haute République. Ça va comme... Alors Barek, j'ai envie de te dire, The Clone Wars est un show pour enfants. Oui, mais tu sais que du coup là en ce moment je suis en train de me refaire la série avec mon coloc et quasiment à tous les épisodes, à un moment je le regarde, je fais série pour enfants. Ça fait pas... c'est notre pas gag. Que tu regardes The Clone Wars avec ton coloc? Si, mais... On regarde un épisode tous les 2-3 jours, donc c'est long. D'accord, oui, en effet. C'est un épisode pour manger, puisque après je dois aller écrire des articles et faire des lives. Alors après, si tu veux skipper les épisodes nuls, j'ai fait un guide pour skipper les épisodes nuls. Non, la totalité ou rien. Même la merde. Et puis en plus, on regarde dans l'ordre chronologique. Alors, bon, là, on est à saison 5, donc c'est fini, mais on s'est fait chier sur les premières saisons. Ouais, ouais. Bah, entre les 3 premières, surtout, c'est le bordel. Ça va jusqu'à la 4 de mémoire, les... Ouais, t'en as encore qui sont un peu inversés. Les changements. Mais les 2-3 premières, c'est infâme. Mmh. Après, sur le StarWars.com, il y a un guide chronologique. Oui, non, mais je prends celui-là. Ok. Bah oui, il est parfait. Quel bordel. Dernier diapo ? Ouais. Allez. F1. Tu en avais un petit peu parlé, Tribune, tout à l'heure. Oui, mais j'ai gardé les faits parce que je me suis dit, il va vouloir en parler. Je vais pas en dire plus. Ah, c'est absolument pas moi qui l'ai marqué, je l'ai pas du tout marqué, je l'ai vu sur Internet, je l'ai partagé je crois, sur Discord en plus. Slack poetry. It's like poetry. Slack poetry, sort of their rhyme. C'est ça la vraie... La vraie quote, c'est ça, d'ailleurs. Ah, j'ai pris la quote qu'il y avait sur le gif que j'ai trouvé. Je suis pas allé chercher l'enregistrement. Oh là, les gens, ils font vraiment plus de recherches de nos jours. Hein. C'est ça, les gens. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Quoi. Alors c'est quoi l'image en bas là? Ça vient de quel film? Regarde, c'est bleu, ça se voit. C'est sur Tatooine, non? Non, c'est une autre. Enfin, je veux dire, c'est bleu, ça se voit quand même. D'où ça vient. Arrêtez là, oh là là. Non, je plaisante.
petit héritage cinématographique des Skywalker, et c'est marrant de se dire que là, c'est des plans qui sont repris avec que des productions Disney. Oui. C'est rare. Et ils sont stylés, d'ailleurs. Et ils sont très stylés, et les trois sont très stylés dans les trois productions. Ça rend super bien à chaque fois. Mmh. Oui, trois couleurs, trois Skywalker. Oui, parce que Rey est une Skywalker. Et oui, ça c'est vrai, par contre. Fight me. Oui. C'est ça. Après, c'est peut-être une question de perspective, Alan Maul. Il est peut-être... C'est un effet de... Il est vers l'avant. Un peu. C'est ça. Il n'est pas droit, en fait. Ouais. Mais regarde, si tu regardes la lueur, en plus, c'est un peu plus sombre sur le bout de la lame. C'est ça. C'est, en fait. Voilà, t'as la perspective qui joue. Exact. Alors, je troll, évidemment. J'aime bien le 9. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est un super... Ah. Merci. Moi, je commençais à avoir peur, mais je disais, vous allez faire comme ces gens qui prétendent que la post. Non. Voici. De toute façon, l'épisode 8. C'est The Max Rebo Collection à chaque fois qu'il me fait la blague du style. Ce serait bien qu'il sorte quand même le 9 au bout d'un moment. c'est vrai qu'AQC, il arrêtait jamais. Je trouve ça cool. À chaque fois, c'était génial, mais enfin. C'est du style. Ce serait bien qu'il sorte. On a vu une bande-annonce, mais le film, il n'est pas sorti. Très belle imitation d'ailleurs de sa voix. Ah, merci. Je suis pas si flatteur. Bon, ça va. Il en saura rien. Il regarde pas. Il concerne la suite de la série, donc. Ah oui, vas-y. Moi, personnellement, j'ai une mini-théorie, c'est que voilà, avec le cliffhanger, on voit que Leia se fait courser par Reva, mais bon, je pense que Reva va l'attraper et puis va l'emmener sur la Fortress Inquisitorius. Oui, oui. Pour attirer Obi-Wan. Et on voit que la Fortress Inquisitorius est attaquée dans la bande-annonce, et donc Obi-Wan va venir la chercher, la sauver avec ses alliés, ses nouveaux alliés qu'il aura rencontrés sur Jabim, quelque chose comme d'ailleurs, ça. D'ailleurs, la description de cet épisode m'a paru familière. À la recherche d'alliés, le Mando. Des alliés. Oui, il y a Boba qui est un épisode de Boba, c'est la même chose. Attends, je vais retrouver pareil. Ah oui. Et d'ailleurs, peut-être que prochain épisode, on va voir la fameuse armée que demandait Leia dans l'épisode 2. Mm. On va voir la fameuse armée de Boba Fett. Alors tiens, d'ailleurs, un truc que j'avais fait, c'était une réflexion qui était soulevée dans le chat, je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit. Parce que c'était il y a un moment, mais je viens juste d'y repenser. C'est vrai qu'en effet, vu ce qui s'est passé dans la série, il devrait y avoir quand même des conséquences pour Bail Organa. Et le propos ? Bah, comment ça ? Sa collusion avec Kenobi, qui est évidente. Bah ouais, si. Ouais, mais personne le sait. Mais si. À part Mon Mothma. Non, mais attends. Reva le sait, Vador le sait, les Inquisiteurs le savent. Ouais, non, mais qu'ils avaient travaillé ensemble. Oui, mais sauf qu'attends, attends, qu'ils avaient travaillé ensemble, mais sauf que le mec se fait enlever sa fille et pof, Obi-Wan sort. C'est magique. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir sur Boba, c'est pas exactement pareil, parce qu'il y a le chapitre 4, c'est Boba Fett s'associe à Fennec Shand, mais le chapitre 5, c'est un allié inattendu arrive. Il n'y a pas un truc avec Boba qui recherche des alliés. Ah bon, t'es sûr? J'aime bien le inattendu dans cette description. Ça serait pas dans Mando, peut-être? Je les ai devant les yeux, donc... J'aime bien un allié inattendu, alors que tout le monde savait très bien qu'il allait se ramener. Mais non, c'est Grogu. Oh là 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 là. Mais mention spéciale pour le synopsis, Boba Fett relève de nouveaux défis sur Tatooine. Ouais. Le final trépidant de Bad Batch ne sera jamais dépassé. En deux parties. Boba Fett doit affronter deux dangers très différents. Non mais par contre, faut toujours partir du principe que le synopsis Disney+, il va toujours être aussi lacunaire et moche comme ça. À côté de la plaque. Ça va toujours mais être mais c'est super drôle, j'adore. Théorie pour l'Inquisiteur. Alors, bah, évidemment, il a survécu. Moi, je pense que Vador, il sait qu'il a survécu ou quelque chose comme ça. Et ouais, que, du coup, il a l'air dans cet épisode de savoir. Il fout la merde, en fait, au sein de l'Inquisitorius pour les tester un petit peu. Il s'en fout, de toute façon, il les aime pas. Oui, c'est pas les reins des inquisiteurs, c'est d'une violence, Vator. Vraiment, évidemment qu'il n'est pas mort, parce qu'il ne peut pas faire un retcon aussi flagrant. Puis de toute façon, il a deux estomacs. Le grand inquisiteur, oui. Je peux mourir, Vador. Non. Pourquoi? Parce que j'ai envie. De toute façon, c'est un peu ce qui se passe dans le comic. C'est ça. J'aimerais bien décéder maintenant. Non, je ne crois pas. Tu veux encore me servir? Ok. D'ailleurs, pourquoi ça, c'est moi qui commande. Je me rappelle plus exactement. C'était pour quelle raison qu'il est encore en esprit là ? Pour attirer les Jedi. Oui, qui non, mais encore, non, ça d'accord. Mais comment ? How ?
Comment il a rentré son esprit dans un objet ou dans un lieu spécifique, je sais plus. C'est Momine Bis. C'était dans... c'est dans le tome 1 de la série 2020 Star ou c'est la fin de la série 2015? C'est dans la série Star Wars, tome 1 ou 2, je sais plus. Donc on sait pas exactement. De toute façon, il y a des niveaux. Enfin, parler techniquement de la force, faut pas. Donc voilà. Mais son esprit a été gardé. On ne sait comment. Ça se trouve, c'est Palpatine qui a fait une sorcellerie. sorcellerie Sith, et puis voilà. Le monde entre les mondes. Ouais, où ça? Datomir. Le monde entre les mondes, tu le laisses là où il est. Je vais dire Datomir à chaque fois. Et qu'est-ce que, tiens, je sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler de ses attentes pour la suite, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le 4, qu'est-ce que... N'en ai pas. J'abîme. Oui, j'abîme. Et j'espère qu'il va pleuvoir dru sur... J'abîme. Il pleut dégueulassement sur j'abîme normalement. J'espère donc, qu'il pleut. Enfin, j'espère que ça ressemble aux légendes, sinon je serais triste. Non, c'est une planète désertique, vous êtes pas au courant. Korsoff, souviens-toi de Tython. Ah oui. Mais bon. Je suis pas allé voir à quoi ressemblait Jabim en plus de, des deux dissertations que vous avez vues tout à l'heure, mais la description que vous faites, ça ressemble beaucoup à Mimban. Oui, c'est Mimban, si tu veux. C'est Mimban. Genre, s'ils font la même chose que pour Solo, c'est bon, je suis content. Mais en soi, ce serait un visuel qu'on voit pas souvent, donc ce serait pas mal, hein, quoi qu'il arrive. C'est un max de boue partout et il pleut tout le temps, voilà. Si bien qu'en plus, je me souviens, dans Empire at War, t'as Jabim aussi. Et je crois que t'as un truc du style « les véhicules marchent moins bien » ou je sais pas quoi, t'as un truc emmerdant. Oui, en fait. T'as un effet négatif, oui, c'est vrai, je me souviens. C'est une planète de merde, en gros. Alors Valenmol, non, c'est pas une planète désertique, ça l'est aujourd'hui, mais Obi-Wan le dit, avant il y avait des champs. Du coup, c'est devenu une planète désertique à cause de l'activité impériale. Techniquement, Tatooine aussi, c'était pas une planète désertique avant. Oui. Oceans. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une grosse Raymanta géante. Exactement. Il a tout compris. Qui a évolué pour vivre dans le sable. Et d'ailleurs, ce côté-là, avec tous les champs qui ont disparu, ça me faisait penser à l'hôtel. Ouais. Oui. Exactement. C'est principalement dans la saison 4 où on voit vraiment le côté, la transformation de la planète par rapport aux autres saisons. Ouais. C'est le même principe, ouais. Que tout qui était brûlé, dans la première saison, on voyait que les villageois étaient délogés de leur maison, puis après les prochaines saisons, c'est tout qui était brûlé. C'était vraiment au fur et à mesure. Ça veut dire que l'Empire sont les méchants? Bah, pas d'après la taupe, parce qu'il faut un petit peu d'ordre. Cela ne se peut. Ouais, après... Il était sympa quand même, la taupe. Oui, non, oui, mais c'était bien, comme on disait tout à l'heure, un point de vue un peu différent là-dessus, quoi, c'est marrant. Il a l'air très gentil. Moi, j'aime plus, bien la tête d'Obi-Wan, c'est quand il voit le drapeau avec le symbole de l'Empire, genre ouais. Ah merde. Je sais pas pour vous, mais en du tout coup, cas, ça, moi, j'avais raté. Moi, quand j'avais quand même le doute de est-ce qu'il allait les balancer ou pas. C'était pas si obvious que ça pour moi. Ouais, je pensais qu'il allait les protéger, enfin garder. C'est vraiment bien fait. Est-ce qu'il les a balancés au final, de mémoire, c'est ça, hein? Ouais, va les vérifier les deux là-bas. D'ailleurs, non, je m'en rappelle plus. Il est tué dessus, Obi-Wan? Non, il le frappe avec le dos de son arme. Ah oui, il l'assomme. Ouais. Bah, comme parce que c'est un Jedi. Il faut tuer que les vrais méchants en armure qui n'ont pas de visage. C'est ça. Et c'est, exactement. Il a frappé une taupe, en fait. Tout va bien, c'est tout. Bah, c'est pas le jeu, là. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est Wakama, en fait, genre blanc. Il a trouvé la taupe dans l'histoire. C'est ça. Il aurait dû sortir un énorme marteau, tu sais. I'm Boing. The spy. Oh non. C'est pas ça le jeu. Alors, Valenmol qui dit: j'ai trouvé étrange que les troopers ne reconnaissent pas Obi-Wan, car Reva peut donner une image au chasseur de primes pour le traquer, mais elle donne pas une image à ses propres troupes. Après, par contre, on ne sait pas qu'il est sur... j'ai oublié, Mapuzo, à ce moment-là. Reva le sait. Puisqu'elle le dit à l'Inquisitorius,
qu'elle a suivi le chemin et que et qu'elle sait qu'ils sont sur cette planète. Alors, ouais, mais non, ils sont pas sûrs parce qu'ils envoient les sondes après. Oui. Ils sont pas sûrs exactement, ils savent vers où ils vont, mais ils envoient les sondes et ils font la remarque qu'il y a une garnison sur place. Donc ils auraient transmettre à la garnison. Ah oui, ah oui, c'est vrai qu'en plus t'as raison, Valen Mole, ils disent qu'ils cherchent un Jedi, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Les troopers le disent en plus, qu'ils cherchent un Jedi. Ils auraient pu montrer une photo. Doing, bon, après, ça se trouve, les Storm, ils ont du mal avec la mémoire des visages. Donc, Bah, en même temps, ils voient rien. Sauf que, ils voient rien, c'est pas faux. Enfin, je veux dire, leur transport, il est en retard comme d'habitude et tout. Enfin, je veux dire, Star Wars n'a jamais été aussi réaliste. C'est vrai. Absolument rien à voir avec la discussion, mais je viens de voir sur Reddit, apparemment, pour les plans où Vador est debout de toute sa hauteur, c'est pas Hayden à l'intérieur, c'est un grand acteur qu'ils ont mis à l'intérieur, en fait. Ils ont ressuscité David Prowse pour le Je sais plus comment il s'appelle Tom, peut-être le même mec que dans Rogue One, d'ailleurs, je sais pas. Spencer Wilding. C'est pas Tom, le mec dans Rogue One, hein, par contre. C'est pas ça, Spencer Wilding pour Rogue One. Ah, c'est Spencer, oui, c'est ça. Bah, alors, c'est pas lui. Bon, bref, ils ont mis un mec qui est très grand pour les plans où on le voit en entier, genre de la tête aux pieds, en fait. Ça m'étonne pas, parce que Christensen fait pas la même taille. Hein. C'est ça. Oui, bon, on l'a bien vu à la fin de la Revanche des Sith, qu'il est petit, Vador, quand même. Mm. Bah, il me fait un peu petit sur certains plans, Vador, dans la série, d'ailleurs. Mais bon. Ah, ouais. ça m'a pas choqué. Ça me choque pas non plus des masses, mais un tout petit poil. Mais vraiment, pas grand-chose. Je suis rapidement allé voir le Grand Inquisiteur Fantôme. C'est absolument pas expliqué. Hein. C'est juste Vador qui lui dit « Tu n'es qu'un outil façonné pour servir mes intérêts, non, tu poursuivras. » On imagine ce qu'on veut. Hein, et le Grand Inquisiteur qui répond « Il y a des sorts pires. Ouais, » Enfin, référence à sa dernière réplique. Tu vois, regarde, mais en dehors de ça, c'est... Saul, il est capable de faire des références à du Filoni, l'inverse. Bon, reste à prouver. Les autres font des références à du Filoni, mais Filoni. Après, Soul fait quand même majoritairement des références à du Soul. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais sauf que pas que. Pas exclusivement. Le d'ailleurs, mais oui. 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 Ça se remarque moins sur des bouquins. Donc. Et effectivement, pour la remarque de Lord Vader, je me suis fait la remarque. Il y avait une femme Stormtrooper. C'était. C'est cool. Ouais. C'est une des troopers qui descend en même temps que Indy Ravarma. Oui. Oui, oui. Non, je pense pas que c'est la première fois, mais c'est très rare quand même. C'est assez rare. Mais... Ce qu'on en avait entendu, je crois que c'est dans l'épisode 7, mais c'est le premier ordre, celle dans qui parle. Dans l'épisode 9 aussi, je crois. Oui. Oui, mais c'est pas l'Empire, mais après... Tous les spécialistes dans Battlefront 2. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas canon en soi, mais du coup, dans Battlefront 2, il y a des femmes, c'est spécialiste, je crois, pour l'Empire et Soldat l'Ours, le premier ordre. Rogue One, il me semble qu'il y en a pas. Il y a des versions en soi, hein, donc... Oui, mais en personnage random. Dans Rogue One, il me semble qu'il y a que des voix d'hommes pour les Storm. Il parle pas un cri de femme. Après, il parle pas beaucoup. Mais... Non, il parle pas beaucoup. Si ça se trouve, un des Death Troopers, bon, c'est pas... Il me semble que chez les clones, il y a majoritairement des voix d'hommes. Mm-hmm. D'ailleurs, dans cet épisode, on a encore les Stormtroopers qui parlent de T16. Ah bon ? Encore ? Ah bon ? Oui, oui. À quel moment ? Oh putain, ce truc de merde encore là. Non, j'ai quand pas entendu. Ils descendent du transport. Ouais, ils parlent encore du T16. Ah ouais ? J'ai pas fait gaffe. C'est la fameuse question qui vous a fait perdre le... Enfin, perdre, entre guillemets, le... Bah moi, non, ça a rien fait perdre du tout. Qu'est-ce que tu racontes, oh ? Il a gagné. C'est pas une vraie victoire, du coup. Bah, sur le quiz de la jeune Star Wars. C'est le XT16 en français. Pour après une victoire. C'est ça. Voilà. Je sens le... Si avoir gagné, ça suffit pas à appeler ça une victoire... Pas une victoire à 100%. Ah, oh. Ouais, mais attends, je dis ça, j'ai aussi gagné un prix. Ben voilà. Tu racontes. Ah, maintenant que vous l'avez dit, en plus, maintenant, j'y avais pas forcément pensé jusqu'à tout de suite, là. Mais je suis pas craintif non plus, mais je me dis, mais qu'est-ce qui... Quel genre de personnage on va pouvoir craser sur Jabim, en fait? Je suis en train de craindre un peu ça, maintenant, là. Il envoie quel Kestis? Oh putain! Non, mais joué par Cameron Monaghan. Ouh!
Quinlan Vos. Je sais pas si je le veux ou pas en fait. Non, non. Non, non, moi je dis oui. En parlant des théories, ce qu'on attend pour la suite, ouais, bah, on peut aussi évoquer des flashbacks, hein, vu qu'on a vu Aiden là dans l'espèce d'hallucination de Obi-Wan dans le désert. Ça veut dire qu'on va peut-être le voir de plus près. Oh, je verrai. Alors, pour le coup, je verrais bien l'épisode commencer. Genre, on est à la guerre des clones et effectivement, commence directement par un flashback et puis après, il se réveille et il est in pain. Ouais, ouais, par exemple. Un peu comme flashback, guerre des clones. Ça serait incroyable. Qui-Gon, dernier épisode. Il y a moyen épisode, que ça commence comme ça. Hein. Clairement, Qui-Gon, dernier épisode. Et j'espère que ce sera en fantôme et pas juste en voix. Mais bon, on verra bien. Ouais. On espère. Est-ce que ça aurait du sens qu'il apparaisse en fantôme? Non. Bah, on sait qu'il arrive à le faire au bout d'un moment. Donc ils peuvent très bien retcon le moment précis en disant. Mais que on le sait dans quoi qu'il arrive à le faire? C'est dans From a Certain Point of View. Ah oui. Ah. Et il apparaît complètement physiquement devant Obi-Wan quand Luke s'en va pour aller voir son oncle et sa tante cramer au barbecue. Ah ok, c'est daté ça. Ouais, ah oui, c'est dans le 4, c'est pendant le 4. Ouais. Si c'est au 4, du coup, tu peux le mettre à n'importe quel moment. Il est commencé comme une voix, mais à un moment ou à un autre, il a réussi à se manifester visuellement. Donc, après, très bien dire en cette série, vu que c'est la première fois qu'ils vont communiquer dans la série, ça m'étonnerait qu'ils se manifestent tout de suite encore. Oui, ouais, oui, parce que, enfin, c'est. Évidemment, c'est, bah, comme je disais, ce concept de Force Ghost, en vrai, il n'y a pas vraiment de règle qui est vraiment établie. C'est quand même un peu établi sur, avec la saison 6 de Clone Wars, avec tout l'arc sur Yoda. Ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre que sous forme mort, il puisse encore s'entraîner pour tenter d'apparaître physiquement. Enfin, tu vois, effectivement, ouais, je vois exactement. Après, si c'est bien fait, why not? En fait, tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais, j'ai l'explication. C'est parce que Yoda détient la cape de Qui-Gon Jinn et qu'il s'en sert comme couverture. Quoi? Et que du coup, il fait des. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et qu'il fait des exercices sur la cape du style apparaît, apparaît. Wingardium! Si tu m'entends, c'est ça. Si tu m'entends, tapes une fois. Avec un Ouija board. Qui-Gon? Si tu es là. Qui-Gon. Oh putain. Non mais... c'est un film noir le truc. Non mais s'ils ont Liam Neeson dans la série, évidemment ils l'ont parce qu'il va apparaître au moins en voix dans la série, évidemment. Bah, ce serait quand même dommage qu'il... Il est déjà dans The Jedi, donc... Et en fait, tu sais pas, t'as une scène ultra décevante, tu sais, du style Obi-Wan, tu me vois là? Non? Attends. Et là, tu me vois là maintenant. Et là Non. Maître, attends, arrêtez, maître. Les parents quand tu essaies de faire un zoom. Arrêtez, maître, s'il vous plaît. Le force zoom. C'est ça. Alors, jeune Padawan 66 qui vient de me donner des envies par rapport à l'épisode, en effet. Peut-être que s'ils vont sur Jabim, Obi-Wan aura peut-être des flashbacks de la bataille. Alors, ce serait bien parce que ça ferait deux trucs. Mais j'y crois pas. Une canonisation de la bataille de Jabim, d'une. Et de j'y deux. Crois pas. D'une. D'une, non. D'une, D'UNE, bordel. Ce serait incroyable, mais j'y crois pas. Moi, je veux, mais bon. Et ouais, un petit détail aussi que j'ai vu quelqu'un évoquer sur les réseaux. À un moment, pendant le combat, t'as Obi-Wan qui perce un tuyau, puis t'as de la vapeur qui arrive sur Vador. Ah, comme dans le 5 C'est un peu la même chose dans l'épisode 5. Oh. Enfin, Luke fait à peu près la même chose. À ce moment-là, Vador et dit Obi-Wan has taught you well. Non, c'est Obi-Wan has taught you well quand il récupère le high ground. Dans le 6. Ça, c'est dans le 6, ouais, mais il parle du 5, Korsov. Ouais, je sais, mais justement. Ah, il le dit pas dans le 5 aussi? Peut-être qu'il disait de la merde le commentaire du coup. Non, je regarde. Mais j'ai Disney Plus sur téléphone. Quand ils sont juste au niveau de la chambre. Non, je vois la scène. Alors, vraiment, il dit Obi-Wan has taught you well quand Luke lui met un coup de pied et que du coup il récupère le high ground. Oui. Et quand okay. c'est pas quand il saute et qu'il est sur la passerelle dans le 6. Dans le 6, juste avant le lancer de sabre. En tout cas, c'est juste quand il récupère le high ground, c'est tout. Oui, juste avant le lancer de sabre de Vador, c'est ça, genre, oh tiens, vas-y. C'est vrai qu'il le dit à ce moment-là. Obi-Wan has taught you well. Ok. Impressive. Most impressive. Et ah oui, c'est Moss, c'est vrai.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui m'a fait penser à une scène des comics qui nous a marqué tous les deux très vite parce qu'on a fait des reviews dessus. Alors, je sais que c'est une référence à l'épisode 6, le moment où Vador tourne d'un coup la tête vers Obi-Wan. Oui. Vador fait la même chose dans le 6 quand Luke se cache dans les ombres là, dans leur combat. Ouais. Mais encore sauf aussi parce que t'as lu, ça me fait penser à Vador qui tourne la tête vers Aphra dans Rose Booty Hunters d'un coup. C'est la seule chose que j'ai pensé et ça m'a limite foutu des frissons parce que j'ai trouvé cette scène dans le comics très glauque. La seule réplique que je vois pour l'instant c'est attends. Ouh. Quoi? Ah oui, Obi-Wan has taught you well. Juste après. C'est Yohan qui dit n'importe quoi. Non, il a raison aussi. Hein? Donc tout le monde a raison. Ah, c'est dit dans les deux films. Tout le monde a raison, conclusion, bonne nuit. Tout le monde a raison. Mais non, mais il a raison aussi, Yohan. C'est ça. Yohan, il a raison aussi parce que dans le 6, Luke fait sa pirouette pour arriver sur la passerelle et Vador est en bas avec le sabre et il fait Obi-Wan, stop you well. Et ce faisant, il récupère le high ground. Ça. C'est pour ça que le lancer sabre. Je parle de Luc, je traite de faisant. Quoi? C'est méchant quand même. Hein. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Un Jedi. Bon, ça c'est dans Jedi. Le 5. Là, donc, quand Luc lui balance de la vapeur dans la cité des nuages, il dit Obi-Wan has taught you well, et puis là Obi-Wan le fait dans la série du coup. Ça fait. Je sais pas si c'est volontaire, mais ça fait rire un peu. Je sais pas si vous arrivez à entendre, mais attends. Voilà. Il a une bonne mémoire hein, ce Corsop. Non mais voilà. Ça m'a trigger ça parce que j'ai vu un commentaire. Hein. Évidemment, je n'aurais pas pensé tout seul. Ouais. Mais oui, c'est la méthode de la fameuse méthode de l'enfumage. Donc. la fameuse méthode du Vador, c'est bien. Ça permet de gagner un peu de temps de l'enfumer, apparemment. Bon, c'est pas très. Voilà. Ça mène pas à grand chose, quoi, mais bon. Puis pareil, dans ce combat, il se téléporte aussi, hein, Vador, face à Luke. Genre, il retient sa respiration. Mais Reva aussi. Reva se téléporte pas mal aussi, hein, parce qu'elle a réussi à rattraper Leia. Il y a peut-être une explication sur Reva, mais il n'empêche que c'est mal fait dans l'épisode. C'est soit à un moment, ça se divise en deux, mais on le voit pas, soit elle a fait demi-tour en sachant que ça allait aller au statioport, et que du coup c'était plus court de passer par l'extérieur, parce que ça trouve le tunnel n'allait pas tout droit. C'est ça. Mais il n'empêche que c'est mal expliqué dans l'épisode. Mais après, ce sont des clichés de films, hein, je veux dire. C'est, oui, c'est tellement... non, mais genre, tu mets un plan de Reva qui fait demi-tour, ça suffisait, quoi. Ouais, oui. Mais bon, on imagine facilement qu'elle a fait demi-tour. Ça. Il dit pas Obi-Wan has taught you well, hein, dans le 6. Hmm? Ah bon? Quoi? Are your thoughts betray you, father? I feel the good in you, the conflict. Okay, ah, il dit rien? There is no conflict. Non, mais il cherche quand Luke lui met un coup de pied. Ah, en haut des escaliers, là? Ouais. Ah oui. Genre le jbel. Oui. Oui, à ce moment-là, tu penses? C'est là, oui. Attends. Tac, tac, tac. Voilà, zoom, c'est ça. Okay. Il est bien, ce duel, en plus. Hop, là, vas-y. Bah oui. Oui, c'est quand il frappe. Oui, use your aggressive feelings, boy. Voilà. Let the hate flow through you. Ça. Attention. Obi-Wan has taught you well. Ok, c'est bon, quand il est en bas. Ah, c'est ça, tout le monde a raison. Hein. Donc en fait, Vader, le mec, il a aucune originalité. Quel que soit. Ce serait drôle que dans comics, quand lui, il se voit. Il a pas d'originalité, c'est George Lucas. Mais non, mais d'accord, mais in-universe, du coup. Mais t'imagines, en fait, à chaque fois qu'il voit Luke, genre. Obi-Wan has taught you well. C'est genre. C'était mon maître à moi, donc tu vois, je m'auto-congratule aussi au passage. Bref. Si lui qui fait n'importe quoi, j'aurais fait un truc pas ouf, t'as Vador qui dit ça, tu sais. Oui, c'est ça. Par exemple, il utilise la force sur ses nouilles, tu vois, puis. Non. Ou il allume juste son sabre en appuyant sur le bouton. Obi-Wan has taught you. C'est ça. Obi-Wan has taught you well. Juste en. C'était pas ma meilleure. Obi-Wan has taught you well.
Obi-Wan has taught you well. Sinon, je sais très bien imiter la voix du Comte Dooku dans Jedi Lost. Non, c'est pas vrai. Parce que... en tout cas, je sais aussi bien imiter... This is Count Dooku. Ouais, c'est un peu ça. Mais ce qui est bien, c'est que je sais aussi bien imiter la voix de Dooku dans Jedi Lost que le mec qui fait Dooku dans Jedi Lost sait imiter Dooku. Donc, toi bien. It appears that we do have a problem. Price the pride, double the four. Bref. Price the pride, double the four. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres trucs... Les meilleurs emotes de Battlefront. Oui, bah oui. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport à l'épisode ou pas which... Est-ce que j'ai un truc à rajouter à pour l'épisode? C'était un épisode. Non mais ça d'accord, une mais... Une partie. C'était une partie, un peu de respect. Est-ce que vous avez envie de voir la suite quand même? Alors j'ai deux choses à dire sur cet épisode finalement pour conclure. C'est génial. C'est de la merde. Voilà. J'ai envie de voir la suite, mais j'ai beaucoup moins de hype que le vendredi dernier. C'est un peu redescendu quoi. Ah c'est beaucoup redescendu même. Ah moi j'avoue c'est monté. Moi c'est au milieu. Oh cette flemme. Ça remonte même, ça remonte un peu, mais ça redescend un peu, mais bon. Mais bon, ça, voilà. Le truc pour contenter tout le monde. Oula. Oula. Je m'ai mis clic. Effectivement, la voix de James Earl Jones était faite numérique. Bien. Ouais, mais ça, y a pas de preuve. Si, rien. J'en ai envoyé un truc. Ah bon? Ouais. Y a une source officielle qui dit ça. Bah, regarde ce que je viens d'envoyer. Je peux pas voir. C'est dans les crédits. Voice conversions service produced by Respeecher. Ah, Respeecher, ouais, c'est le truc c'est pour ça, réutiliser les sons, c'est ça, pour refaire des phrases. Voilà. Hmm. Oui, puis après, il y a pas d'autres personnages pour lesquels ça pourrait être utilisé, donc. C'est donc pour cela que la voix était bizarre. Bah, comme Luke, en fait, non? Elle m'a pas du tout paru bizarre. Pas paru bizarre du tout, hein, vraiment. Non. Bah, c'est la voix de James Earl Jones il y a 30 ans, mais à part ça, tout va bien. Hmm. C'est naturel, du coup. La process, non, justement, parce que sa voix ne ressemble plus du tout à ça. Bah, je sais pas, je l'ai pas entendu parler. Dans Rogue One, il parle complètement différemment. Je me suis dit que c'était juste dû à la post-prod sur la voix, le traitement du son qui était plus proche à la trilogie originale là dans la série que dans Rogue One. Tu vois, je sais pas, ils ont fait plus d'efforts. Mais non, du coup. Alors que pour le coup, Rogue One est très proche de la trilo en plus, hein, dans les volontés de. Donc. Ouais, à voir. Après, je suis pas ultra fan de ça. Enfin, ça m'a pas choqué dans l'épisode, hein. Je préfère le dire. Ça m'a choqué. Mais je suis pas fan du procédé. Moi non plus. Parce que je préfère toujours un autre acteur qui fasse la voix, mais une voix très convaincante et qui passe très bien, tu vois, comme dans certains jeux vidéo et tout, hein, ça n'a jamais été toujours James Earl Jones qui a doublé Vader, plus ou moins avec de bons résultats d'ailleurs. Hein. S'ils prennent pas le mec qui fait Battlefront 2, moi ça me va. Hein. C'est Scott Lawrence, mon préféré, j'avoue. Mais après, voilà, il y a plein de... Enfin, je préfère à la limite qu'ils emploient quelqu'un d'autre parce que bon, il se fait vieux quand même, James Earl Jones. Hein. Donc c'est normal. Il a 93 ans, hein, donc. Oui, voilà. C'est normal qu'il soit plus employé en soi pour ça. Il est quand même crédité hein, dans les crédits. Bien sûr qu'il est crédité, forcément. Ils sont bien obligés de le créditer. C'est lui qui a fait la voix de base. Il a quand même, à mon avis, il a quand même une ou deux répliques qu'il a dû enregistrer parce qu'il y a une ou deux phrases qui, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que dans la tonalité, c'est pas. Enfin, elles sont pas pareilles que les autres, tu vois. Genre, au tout début, quand il parle avec Reva, il y a certaines phrases. Genre, je pense qu'il les a. C'est des nouvelles phrases qu'il a enregistrées là. Il n'a peut-être pas fait toutes les répliques, mais il y a peut-être quelques-unes qu'il a faites en live, quoi, je pense. C'est possible, je sais pas. Mais comme dit Lord Vader 79, c'est vrai que celui qui le fait dans Le Pouvoir de la Force est vraiment pas mal du tout, par exemple. C'est Scott Lawrence. C'est lui c'est Lawrence Je t'avoue que je sais pas là, mais. Comme quoi, je préférerais à la limite ça, quoi, qu'on engage quelqu'un d'autre plutôt que de faire du... C'est Rephraser, c'est ça, tu disais, Johan? Respeecher, d'accord. Ouais, mais en gros, si j'ai bien compris... Ah non, c'est Matt Sloan. Ah oui, mais c'est... Oui, c'est le... C'est Matt Sloan, c'est celui qui faisait...
Là, tu connais peut-être Korsov, tu sais le truc où t'as Darth Vader qui travaille dans un supermarché là. Ah oui, ça me dit un truc. Ah. Attends. What? Non mais c'était, pas dire le titre, mais c'était un truc de fan, un truc à la con, mais c'était drôle. C'est genre le frère de Vader mais qui bosse dans un supermarché genre à nous quoi. C'est complètement con comme truc. C'est pas Chad Vader ou un truc comme ça? Un truc comme ça? Attends. Non. Oui, Chad Vader, oui. Voilà. J'aime beaucoup le titre. C'est n'importe quoi, mais allez-y, hein, c'est drôle. Enfin, moi, ça me faisait rire à l'époque, en tout cas. Mais c'est complètement con, mais... Matt Sloan, il a fait Vador déjà dans... Bah, il a fait dans ce jeu, mais dans d'autres trucs aussi. Ouais, mais lui, par exemple, il était très bien, et je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont bien fait, donc... Ouais, dans Battlefront 2, dans Terrifying Tales, récemment, le Holiday Special... Non, c'est qui dans Fallen Order? C'est Scott Lawrence. Celui que j'aime beaucoup. Bah, il est bien dans Fallen Order. Ouais, il est pas mal. Beaucoup, ouais. Il y a pas beaucoup de répliques, mais c'est simple et efficace. Et... Philippe Catwar en VF, toujours excellent. À part dans cette série, c'est un peu bizarre, mais bon. Je ne suis pas allé voir génial, une seule fois la VF. Je pense que je m'intéresserai quand ce sera fini. Évidemment, Matt Sloan a également fait la voix de Vador dans Kinect Star Wars. Hein, ah bah. Jeu, Philippe Catwar a fait la voix de Vador dans à peu près dans absolument tout depuis Rogue One. Mais de toute façon, la tribune de Coruscant rend moi une fois par semaine hommage à ce jeu. Donc, Scott Lawrence de quoi a. Attends, quoi avec la musique, I am Han Solo. Oh, I'm Solo, I'm Han Solo. Quelle horreur. Non, mais Scott Lawrence, il a fait la voix dans les jeux VR Vader Immortal et l'autre d'avant, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça, c'était bien. C'était lui. Et ensuite, Fallen Order, quoi. Hmm. Dans les jeux vidéo récents, c'est Scott Lawrence, en fait, et dans tout le reste, c'est Matt Sloan, j'ai l'impression. D'accord, ok. Ouais. Mais je trouve que dans Vader Immortal, c'était un super boulot, par exemple. Donc, Ah oui, bah c'est ça. C'est... Oh, qu'est-ce que c'était bien ça, en plus. Ah, tu sens quand même que... Ça doit être bien de passer dans James Earl Jones. Il y a certaines prononciations qui sont bien différentes de celles de James Earl Jones, quand même, la façon dont il fait les S et les R. Enfin, moi, ça m'avait un peu marqué dans Fallen Order. Genre, c'est là-dessus que j'ai compris que c'était pas du tout James Earl Jones, en fait. Genre, dès qu'il a ouvert la bouche. Mais sinon, oui, il est vraiment très fort aussi. Ah, puis après, faut quand même se faire à l'idée que c'est impossible que James Earl Jones double ce personnage à l'infini. Donc, Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est comme Ian McDermid. Bien sûr. S'il a des soucis de santé, il prendra en VF. D'ailleurs, pour Palpatine, je sais toujours pas comment ils font en VF. Oui, parce qu'il est décédé. C'est George Kless, c'est ça, ouais. Ça m'attriste énormément. Le pire, c'est la VF de Star Wars Lego, nous dit Valen Ball. Ah. Bon. Ah, d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi, on a un peu oublié, mais que Palpatine va peut-être apparaître dans cette série, justement. Mais non, ouais, il apparaît dans Bad Batch. C'est rumeur. De quoi ? C'est dans The Bad Batch qu'il va apparaître Palpatine, c'est pas là-dedans. Ah oui, évidemment, mais je veux dire, j'ai vu des trucs passer comme quoi il allait potentiellement apparaître dans Kenobi aussi, mais bon, on verra bien. En fait, il est partout. C'est vieux ça, comme. Nous verrons. Il va être dans plus de séries que Grogu. Non, ça peut être. Ah, franchement. Plus dans séries que Ahsoka. Ah, non. Bien joué. Là, il y a un challenge. Là, il y a un challenge, ouais, en effet. Un gros challenge. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui. C'est bien. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, Hubert. C'était à quelle occasion cette réplique déjà ? Je sais que c'est dans OSS. À la fin de OSS 2, quand ils font des blagues sur Lee Couchette. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est avec Belmar. C'est ça, non ? Oui, c'est ça, exactement. Et sauf qu'à la fin, il fait des blagues vraiment pas drôles et puis il rigole plus du tout. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. Ah oui, excusez-moi. En fait, à chaque fois que j'entends une réplique de ce film, j'ai envie de le revoir, bref. Ouais, non, mais c'est incroyable. Mais tu peux regarder que 203, ça va. Ouais, non, ça ira. Je regarde que les deux premiers, ça ira très bien. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Du coup, si on a terminé, je pense que du coup, on peut se donner rendez-vous pour la suite des streams. On se voit donc dimanche soir pour le Là-bas dans les étoiles. Hebdomadaire cette fois-ci, pas quasi hebdomadaire. Et évidemment. Mais dans les prochaines semaines, ça va revenir quasi hebdomadaire.
Et bah c'est pas grave. Pour ça, c'est pas grave. Il y a la petite parenthèse de temps en temps quand c'est pas le bonjour, mais. C'est ça. C'est le signal en fait. Genre, ouais, on pouvait pas. Moi, pour ça, je vais aller prendre mes billets d'avion pour la Star Wars Celebration. Oh, déjà ? Il le faut. Ah bah attends, je suis désolé, mais si je le fais pas maintenant, je vais douiller. Hein. Parce que là, les prix ouais, sont encore faux. À peu près abordables. C'est pas faux. Faut d'abord regarder pour l'hôtel. Du coup, on se retrouve aussi bien évidemment la semaine prochaine. Même chose, du coup, jeudi soir pour débriefer ah justement bon. le chapitre. Non, la partie. Oula. C'est que pendant qu'on a filmé la review, j'ai fait une connerie, mais je crois que je vais le laisser. Parce que je me corrige direct après, c'est du style, ouais, dans ce chapitre 3, non, partie 3, on n'est pas dans Mando. C'est du style, t'as l'habitude. On n'est pas dans un livre ici, là. C'est ça, genre l'habitude, tu sais. Enfin bref, on se retrouvera donc pile poil dans une semaine pour la partie 4, hein, qu'on débriefera tous ensemble. Et évidemment, pour ce qui... La semaine prochaine, normalement. Un live longuement reporté. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié, tu fais bien de le rappeler. The Rising Storm. On va enfin parler de l'orage gronde, donc tenez-vous bien. J'ai toujours pas fini les diapos, ça fait un mois. Tenez-vous bien au courant du coup sur les prochains plannings qui seront postés pour savoir quand ce sera. Et si vous n'avez pas encore l'orage gronde, vous avez une semaine. C'est ça, vous avez une semaine pour lire le bouquin, donc dépêchez-vous. En vrai, ça mérite. Je préviens juste que pendant la review, je vais spammer ma voix de Mark Yonrow parce qu'elle a été validée par Kevin Scott. Donc, ça y est, il se sent plus. Ah. Je m'en fous, la voix a été validée par Kevin Scott, moi je la fais tout le temps maintenant. Eh bien, je serai dans le grand regret. Très très bien. Je serai dans le grand regret de voir te muter pendant la moitié du stream. Tout va bien. Je proteste. Bah oui, bah tant pis. Du coup, voilà. Sa critique des bouquins, il va la faire 100% en voix de. C'est la voix de Mark Yonrow. Je proteste. Aïe, aïe. Aïe, proteste. Ah, alors, il y a un petit mute qui va partir là. Du coup, voilà, je pense que. Bah, merci en tout cas. À tous ceux qui ont assisté à ce stream, j'espère que ça vous a plu et du coup on se retrouvera très bientôt. Merci évidemment à tous ceux qui ont participé, que ce soit Corsof, Il était une fois une étoile, YJKen, la chaîne de Johan du coup, et Barek évidemment. C'est pas grave, tout est dit. On s'en fout. Good. Du coup voilà, à très bientôt, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je vous invite évidemment à aller sur Facebook, Twitter ou Instagram pour aller nous suivre et bien vous tenir au courant de toute l'actualité Star Wars, et on se retrouve très bientôt, que la force soit avec vous, bye. Bye. Salut. Au revoir.